Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir à toutes les messieurs, on est parti, on est en live. Let's go. On est parti pour un petit live du soir. On s'est pas vu depuis lundi dernier, je crois. On s'est vu mercredi. C'est quand le dernier live, hein, résumé du stream. C'est quand le dernier live, dimanche 18, ça c'est aujourd'hui. Lundi 12, on s'est pas vu depuis lundi soir dernier. Ça fait un moment, j'ai une semaine bien chargée. Qu'est-ce que j'ai foutu mercredi soir? Ah mais c'était le match de l'équipe de France. Du coup j'étais en mode est-ce que je live, est-ce que je live pas? Et j'ai pas live finalement. Eh oui Jamy. On part en live tout simplement, on est là. C'est les derniers lives de l'année. Hein, les derniers lives de l'année 2022. Parce que cette semaine il n'y aura pas de live demain, il y aura peut-être un live mercredi. Et après je pars jeudi. Je pars à quelle heure jeudi? Est-ce que je live jeudi? Je dis, je suis en congé. Je pars à 14h. Il n'y aura pas de live jeudi, ça c'est sûr. Et je rentre mardi à. Mais tard, je crois. À 22h. Donc, le prochain live sera sûrement. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine, quoi. Ça c'est sûr. Ah si, en fait. Il y aura peut-être un live mercredi. Il faudrait que je live mercredi, en fait. En tout cas, on va jouer à God of War. On va continuer l'aventure. On va taper des mobs avec ma hache de Kratos. Et voilà, tout simplement. C'est tout. Rien de plus compliqué. On va même partir now. Hein. On est là, on va boire un petit goutte d'eau avant, bien entendu. Du bien de boire de l'eau. Et c'est parti. Est-ce que je pourrais prendre un petit paquet de mouchoirs? Pas loin, si. Hein. On va faire ça. Attendez, bougez pas. Comme ça, on a ce qu'il nous faut. On est encore un peu enrhumé. On a encore un petit peu la gorge prise, mais c'est léger. Tout va bien. On a l'énergie. On a ce qu'il faut. On est là. Ok. C'est vrai que je voulais augmenter mon son un poil. Je vais faire ça. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas. C'est parti le jeu. Hein. C'est venu pour jouer. Hein. C'est juste pour geek. Hein. Console. God of War. Il faut qu'on finisse avant le 24 janvier. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Le 24 janvier, bien sûr, c'est Forspoken qui sort. Hein. On l'a testé, on a fait la démo. Oh, salut Ben. J'espère que ça va. Mais donc, du coup, il faut. Oh non! Mise à jour. Du coup, il faut qu'on finisse God of War avant le 24. Et comme ça, mais normalement, bon, on a encore un mois. Même si. Ouh, pardon. Il y a une semaine de fête. On a. Je pense qu'on a fait 50% du jeu. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins quand même. Ça roule, ça va très bien. La forme de fou. Oh, quoique non, on a dû faire 50%. Après, j'ai un peu fait des quêtes annexes et tout. Hein. On a fait des quêtes annexes. La forme, j'espère que ça va toi aussi. Putain, mais attendez, on a une gigamage. Démarrer sans mettre à jour. Hein. Tard. Je vais peut-être allumer les lights ici. Ok, comme ça on a de la lumière. On n'est pas du tout en mode nuit, on est en mode lumière. God of War. Sony Entertainment, PlayStation Studio. Oh le petit filou. On fera les matchs plus tard. Santa Monica Studio bien sûr qui nous présente ce jeu God of War qui est exceptionnel. En vrai il est cool, on préfère Elden Ring pour l'instant, mais il est quand même très 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 cool. La fois dernière on a fait une grosse partie, on a joué Atreus, pardon. Où on était avec Odin à Asgard et on a joué aussi en compagnie de Thor. Mais aujourd'hui, on est avec Kratos et Freya. On se rappelle, on a fait un giga fight il y a pas longtemps. Contre un giga drogueur là. C'était juste ici. C'était quelque part là, je sais plus. C'était là, je crois. Ou là, j'ai vu. C'était giga stylé. Et on avance du coup dans la quête principale avec Freya. Où là, notre but est de. J'en sais rien en fait, je sais plus. Ah oui, on va aller voir les Nornes. Parce qu'en fait, on sait qu'Atreus. On pense qu'Atreus est à Asgard. Et on va aller voir les Nornes, vous savez, ces fameuses trois sorcières qui prédisent l'avenir, etc., etc., dans la mythologie. Pour qu'elle nous aide à retrouver Atreus, tout simplement.
Et donc du coup, bah, on est là, tout simplement. On s'était arrêté sur que les Nornes vivent à l'abri sur ça. Il y a un chemin là, mais là c'est bloqué. Donc on n'a plus qu'à aller là-bas en fait. Nous le saurons bien assez tôt. Donc on est avec Freya, on est en full quête principale. Pas trop y avoir de quête annexe aujourd'hui. Là ça part en full combat d'ailleurs, ouais c'était sûr. Il y a un giga. Un giga mob derrière. Ok. Ah non? Merde. Et ça résiste. Ah, faut du feu pour ça. Je veux pas l'op. Derrière moi, ok, on va faire ça. Attention derrière encore. On essaie d'observer. Ok, je l'ai pas eu. Oh, je l'ai pas vu attaquer. Oh, mais elle a attaqué en mode si vite. Ok, alors on se met dedans. On est en combat direct. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu le son là et je vais faire ça. J'ai baissé un petit peu le son. Le son était fort, je crois. Le son était un peu fort. On y retourne. J'espère que les Nornes vivent à l'abri. On va faire ça. Une chose est sûre, Midgard en plein film. J'avoue, ça rigole pas dès le début. Hein. C'est, on est parti quoi. J'ai peut-être un peu trop baissé le son là. Voilà. Oh, je vais prendre les dégâts. Oh, j'ai pas pris les dégâts. Ah merde. J'ai spam. Oh, je vais prendre. Okay, j'ai pas pris. Ah, ça l'a one shot ça. Ok, c'est bien esquivé. Oui, il a donné un giga coup dans ce sens. Oh damn. C'est un peu la merde. Il y en a beaucoup. Oh, je l'ai pas vu. Oh, elle était derrière. On a des heals, hein. Non, ce heal. C'est de la glace ou non? Faut de les flammes pour ça. Et pour elle aussi. Voilà, ça c'est mort. Ça, ça va mourir. Attention à lui là. Ok, maintenant on est en 1v1. 1v1 dans la faille. Qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Ok. C'est ça qui est revenu. Attention. Il faut tourner, non, c'est bon. Bam! Il est quasi mort. Oh. Est-ce que je peux faire ça? Mais il n'y a plus personne. Ah si, il y a quelqu'un là. Ah, il y avait quelqu'un. Ah, faut que j'aille détruire ça. Bam! Reste au sol, toi. Oh. Il y a quelqu'un là-bas. C'est le dernier. Et voilà. Bon, ça s'est bien passé en fait. Une barrière magique nous empêche d'avancer. Oh merde. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée d'épée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter des spectres. What the fuck? Attendez. Si ça ne nous aide pas à trouver les Nornes. Poignée, la poignée de l'épée du roi est inutile. Dans son état actuel, après. Continuons à chercher. Par ici. Attendez, j'ai ramassé une poignée d'épée. Ça veut dire que je vais jouer avec une épée. J'ai déjà trop d'armes, hein. J'ai déjà une hache et des. Bon. On va voir, hein. Ah, j'ai même pas utilisé mon poison, j'ai merde. Je peux tenter de la dissiper. Dissipe-la. Ah, c'est non, c'est bien ça. Vas-y, dissipe. Ah non, mais attendez. À droite là, il y avait. Hop, non. Oh, vas-y. Un accès mystique a été ajouté à la carte. Je vais juste. Ah, il y a ça. Juste dégager ça. Bam. Il y a rien ici. Non, mais c'est trop. J'en ai bien peur. Il y a rien ? Voyons ce que les louves peuvent trouver d'autre. C'est d'une orme tout craché. Oh, damn. Je me suis fait avoir de fou. Je t'avais dit qu'elle n'apprécierait pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire ? Il y a rien. Diversion, coïncidence. Bon bah les loups on est reparti hein. Sans doute que nous étions destinés à la trouver. Sans doute.
Ok, il faut suivre la tête des loups. Les loups vont flairer une odeur. Ok, c'est par où les loups? Ya, ya. Non, merde. R1 pour déraper. Oh la dingue. Bien, si nous en revenions à l'histoire de Rimbaud. On va faire un truc avec ça maintenant. D'ailleurs de pierre. J'espérais que Freya nous raconterait sa version des faits. Une autre fois. Restons concentrés. Je savais pas que je pouvais faire des dérapages comme ça. Et hop, ça part sur Mario Kart de fou. Je savais pas que je pouvais faire des dérapages. Oh, ça dérape de fou. One damn. Ok, pardon, faut que j'aille où? C'est quoi ça là? Ah, c'est pas du bon côté. Attends. Y'a quoi là-bas là? Les rameurs. Ah. Un hommage aux conquérants. Ils construisaient de beaux bâtiments. Attendez, y'a quoi là-bas là? Non, comme ça. Juste voir vite fait ce cas. On jette un œil à droite là. Je peux pas. C'est faux, je crois. Tu dis? Mais c'est là qu'est né Sigrun. Quoi? C'est là qu'est né qui? La reine des Valkyries? Oula. Gauche? Ah oui. Oh, il m'a défoncé. Trouver des indices sur le passé de Sigrun? Mais attendez, mais on parle des reines des Valkyries là? Putain, je suis encore en quête annexe. Je fais n'importe quoi. Je suis encore en quête annexe. Il faut que je garde mes lames de feu. Clairement. On y retourne. Il est poison, quoi. Ouais, c'est très mal. Oh, j'ai pas cancel. Oh, lui aussi va nous faire mal. Ça rase. Franchement, c'est giga char, mais je suis pas bon. Oh, quoi? Il est incroyable ce boss, ce mob. J'ai fait n'importe quoi, hein. Je le connais pas, je fais n'importe quoi. Mais il est très stylé. Il m'a défoncé la gueule. Ok, attends. On rigole pas. Parti. Voilà. Bah alors, vous êtes enracinés, les gars. Voilà. Ah, mais il y a encore un méchant. Oh, j'ai pris le coup. Switch H et on le tue comme ça. Bam! Il a mis un coup. Cet avant-poste est donc un vestige de Fjotourlund. Sigrun a grandi parmi ces gens avant de rejoindre les Valkyries. Putain. De l'autre côté, on dirait un escalier. Eh ouais. Oh, il y a un giga coffre. Alors, Sigrun, c'est la reine des Valkyries qu'on a libéré, hein, pas tué, mais libéré dans le 1. Mais du coup. C'est où Sigrun? Oula, pardon. C'est là. On va suivre vite fait la quête. Oh là là, j'ai dit qu'on faisait pas de quête annexe, mais. Ah, je peux monter là. Mais par contre, attendez, parce que là, il y a ça. Il y en a un là, mais du coup faut que j'ouvre la porte, je suppose que il c'est que de l'autre côté. Il doit y avoir un autre moyen de passer. En effet. Et... Y'a quoi là? Et là, ok d'accord. Ok, très bien, j'ai compris. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Ah mais... Oh, la quête de Sigrun ne m'offre... Attendez... Ah... Il faut que je trouve deux clés. Des traces de Jotunlund, la terre natale de Sigrun, sont disséminées autour du lac des Neufs. Mimir souhaite en apprendre plus sur le temps qu'il y a passé. J'aiderai mon ami dans ses recherches. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Mais j'ai vu un giga coffre. Et ça me... Attention. Ok. Ah!
Licorne. Go. Tiens. Attends, là. Ils sont en full. Ah, j'ai pris le coup. Ils sont en full feu. Ils sont en full, pardon. Ouais, ils ont besoin de feu. Attendez, je fais un tour aux toilettes viteuf. J'aurais dû y aller tout à l'heure, j'y suis pas allé. Pourquoi ? J'ai beaucoup de... Ouais, c'est bon. J'arrive. Attendez, j'ai mis pause au jeu, c'est bon. Je reviens. On va les défoncer. Ok. Pardon. On est de retour. Mesdames et messieurs. Hop là. Bon, on était où ? On était en train de taper des mobs. C'est parti. Il y a un giga cerf là à tuer. Oui, il n'y a pas que... Il y a aussi eux quoi. Ah, en fait, elle vient de tâcher dessus, ça monte pas. Voilà. What? J'ai pris quoi là? J'ai pas vu ce que j'ai pris. Ah, c'est elle qui m'a envoyé un truc, non? Par contre, je pensais que ma chaîne puissante, elle envoyait deux coups au sol. Elle en envoyait qu'un là. Peut-être que je retape. Attends. C'est dommage. C'est dommage. Fais attention. Ok, pas que je fais attention.
Ça cancel. Tu brûles, je suis en train de brûler. Ça passera. Putain, mais pourquoi je casse pas sa corne? Enfin, après, j'ai pas trop besoin, ouais. Je lui ai mis plus de mid-life. J'aurais presque pu utiliser une pierre. J'ai de quoi régène, j'ai de quoi parer, j'ai n'importe quoi. Waouh, on recommence dur, hein. On recommence dur. C'est pas mal. Oh, Gran Turismo, bien joué. Super. Super, ça. C'est beau. Ça Ah non. Ah, ça c'est pas bien. Oh putain, j'ai pris tellement cher. Wow, damn. Oh, j'ai pris si cher par contre. Oh. En fait, je l'ai pas cancel sur la chaîne enflammée. Vous entendez là? Ah ouais, attendez, vous entendez, je vais fermer la porte. J'ai ma chaîne. Qu'on fasse une pause à un moment, étendage de machine. Parce que oui, j'ai fait mal ici. On fera ça après. Elle est encore en train de tourner. Est-ce que je tue les âges? Je sais pas trop. Attention. Je pourrais faire vraiment ça. Ouais, sur sa droite. Ah, c'est pas tout chidé. Vas-y, je tente. Ah, quoi que ça va être chaud là. Ah, je perds tout mon temps de force. Ils sont up. Nul. Ah, les ZAD, les mobs à côté. Peut-être que je les focus, je les tue vite en vrai. Parce que s'il n'y a plus que le cerf, ça va. Hein. Je vais focus les ZAD. Changement de strat. Oh, tu vois, je suis comme un chêne du coup. Comment ils descendent? Attention. L'autre est là. Oui, t'as pas le temps qu'il peut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je sais. Bah voilà. Ça, je peux faire ça. Ah, oh, j'aurais du shit. Je me réanime. C'est bien pareil. Oh non! Ça c'est mal paré par contre! J'ai une pierre de vie derrière. Une pierre de vie quelque part? J'avais pas une pierre de vie? Bon. Derrière toi, mon frère! Ah, ça rase! Qu'on y retourne. J'ai encore un heal. Putain, ça rase! J'ai pris cher. Oh damn. Ah, c'est chaud, hein. Ça rigole pas du tout, hein. Ça rigole pas du tout. Mais c'est pas mal de focus les ZAD par contre. Parce que je les tue vite en vrai. Je les tue très vite. Peut-être même garder. Il faut que je fasse ça. Attention. Attention, je suis juste un vite fait. Ah,
Ah, ça m'a trop mal. Là, je vais tuer l'autre. Mais je peux la. Je vais la faire tomber. Et comme ça, je vais faire pousser plus. Et... oh non. C'est lui là. Oh merde. Non mais please. Oh, je me suis fait. En fait, faut que je le tape pour qu'il pop. Je peux. Je tue la première. Je vais stun le mob. Je peux le faire de loin avec ma hache d'ailleurs. Et après, je retourne sur le deuxième en le tapant. Mais avant d'aller stun le mob, il faut que je le tape pour qu'il pop. Ok, ok, j'ai compris. J'ai une strat. Fais attention. Oh, bah là, j'ai le choc. Est-ce que je l'ai réveillé derrière? Je ne sais pas. Je l'ai pas réveillé. Je vais le réveiller. Voilà. Oh putain. C'est trop dur ça. J'ai roll out. J'ai roll côté, j'aurais peut-être dû roll in. C'est chaud au début hein. Tout à l'heure j'ai tué les adds si facilement. Mais c'est pas si facile. Enfin ça va. Faut que j'esquive les projectiles. Sinon faut que je la fasse tomber direct hein. Je sais pas combien de temps elle reste au sol. Ouais, regardez. Je fais ça. Attention. Mais elle prendra rien. Et je montre à elle ce que je veux. Voilà. Je peux utiliser un truc comme ça. Elle va m'attaquer. Ouais. Par contre, je peux tirer. Mais là, je peux pas aller l'attaquer, juste elle. Le top est pas là. Attends, toi, pareil. Oh non. L'autre est arrivé. Ouais, c'est bon. Oh non. Et là je la bourre. Ça. Elle a un coup de poison, elle bouge plus. Attends. Mort, je suis mort mais en même temps. Régène-moi. Non, mais c'était buggé! Ah, oh, je me suis pris. En fait, vu que j'étais en. Oh, la haine, c'était finito. Vu que j'ai pris le truc du QTE. L'animation du QTE, ça m'a pas permis de me revive. Parce que. Je suis mort bizarre. Grave. Attention. Mais putain. Il s'agirait de viser par contre. À droite, attention! C'est de fou. Si cher. En plus là je l'ai réveillé. Wow, ok, try de merde. Il faut pas que je spam. En fait quand je la fais tomber, faut que j'arrête de spammer les flèches. Parce que Freya attaque. L'attaque avec ses flèches et la réveille tout simplement. Tout simplement. Oh, le tir qui envoie un message. Par contre, ça gérait de la toucher au début, JB là. C'est compliqué quand même de faire ça. Ah, j'ai pas réussi à faire. Wouah! Elle a. Pourtant, j'ai l'impression que ça a touché. J'ai tellement l'impression que la lame a touché quand je l'ai lancée. Visiblement, non. On y retourne. C'est difficile, hein. Quand il y a plusieurs mobs, de toute façon, mode God of War, quand il y a plusieurs monstres, c'est difficile. On le sait. Faites attention.
Là, ça l'a réveillé. Ouais, je crois. Oh, c'est un peu la merde. J'ai pris une flèche random plus le coup. Instant. Ah, faut que j'arrête avec les flèches. J'ai refait les flèches. Mais j'ai bien testé. Mais en fait, je me suis dit que comme je visais l'autre mob, je me suis dit que les flèches le toucheraient l'autre mob. La réponse est non. Ça a touché le boss. Enfin, le mob fort. J'ai encore utilisé mes flèches. Bah, du coup, je vais spammer. C'est bon, il m'attaque pas. Je change de flèche. Non, c'est pas mal. Esquive à nouveau. On va prendre ça, c'est plus intéressant. Elle est gêne. Pas de l'autre, c'est fait. Et voilà, c'est géré en fait. Oh, c'est si gore. Tu sais mon frère, même pas de revive, rien. Sigrun m'a parlé du grand trésor de son royaume, renfermant les butins des conquêtes de sa famille. Oh. Peut-être que cet avant-poste en abrite une partie. Le grand trésor du royaume. T'as-t-elle dit? Non, seulement que le trésor était caché. Ok, on cherche un trésor caché. Ok. Je monte, je vais voir une vidéo là-dessus. Elle monte d'abord, sans les bras bien sûr. Sans les jambes. Sans les bras c'est compliqué. Ok. T'as vu toi? Où je descends là? On va répéter ça. Et aller chercher le coffre. Il y avait pas un coffre? Un giga coffre quelque part. Il y a ça déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? Le voilà. L'autre escalier. Oh. Ah bah oui. Monstre. Ah oh, c'est les monstres de merde. Arrête de faufoler. Il faut que j'en mette des flèches comme ça après. Ça va, c'est les petits faufolés. Et j'ai une clé sur deux. Une. Je me demande quel verrou ouvre cette clé. Ah mais ça. Elle est brisée. Pas brisée. Scindée en deux, c'est tout. Regardez. Nous trouverons peut-être sa moitié. Ok, on a trouvé une des deux clés. Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est superbe. Mais où avons-nous déjà vu ce genre d'artefact? Le tombeau de tir. Le tombeau de tir. Ok, j'ai un gigacop, qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Bijou d'Yggdrasil. Ah oui, bien pour améliorer la lunette. Peut-être ces runes pourront-elles nous éclairer? Bien ça! Quoi? Non, elle n'a jamais parlé de... De quoi? Non maudit. Malheur à la princesse Sigrun dont le cœur est brisé et dont l'esprit pourrait s'effondrer. Elle a commis un péché n'appelant nulle rédemption. Elle a aimé le mauvais homme. Cet homme au beau visage et au sourire agréable était en tout point parfait, à l'exception de son nom, le roi Helgi. Helgi. Le père de Sigrun, le roi Oni, n'aurait jamais accordé sa bénédiction à une telle union, et ce, pour une simple raison, ce nom était celui de son plus vieil ennemi. Oni haïssait tant Helgi qu'il ne lui permettrait jamais d'entrer dans son foyer. Mais Sigurn, l'aimait malgré tout et entreprit de convaincre son père que l'amour devait et pouvait être plus fort que la haine. Elle avait tort.
Très bien. Et du coup, c'est où l'autre... C'est ici l'autre... Ah, c'est ici. Oh. Est-ce que j'y vais de suite? Je sais pas. Ça m'intrigue ce truc de Sigurd. Et puis ça peut me donner, ça peut me débloquer des amulettes. Du coup là on a trois trucs. Ok, c'est parti. Non. Oh ça va. Ah non. Je pensais que j'avais de la marge mais pas du tout. Le dernier est là. Oh je suis fiché. Oh là là. C'est bon. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait bam 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 un peu de partout à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on récupère? On récupère une corne. C'est à 3 sur 4 2 sur 4. On est à 2 sur 4 en vie, 2 sur 4 en 2 sur 4 en corne. Et du coup là faudrait que je retourne. Mais ça faut que j'aille à traîneau de l'autre de Louvre. On y va, hein. C'est Grune. Quelle rune? Elle en a aimé un autre. Un roi nommé Helgi. Helgi. On dirait qu'ils étaient fous amoureux. Quelle rune? Mais que ses parents s'opposaient à leur union. Oh, allons. Ah, mais c'est les runes qu'on vient de lire. Ils croyaient tout de même pas avoir une... Eh bien, je suppose que si. C'est quoi, là? Oh. Rien. Rien. Et quoi là? Oh. Oh. Alors peut-être. Il y a quoi là-dedans? Il y a un combat? Yes. Putain, je monte. Oh shit, oh non pas eux. Je vois rien. Oh non, pas eux. Aïe aïe aïe. Trois elfes de la nuit. Trois elfes de la nuit. Ok, on est reparti en combat. On est en full fight, hein. Full fight, on avance pas dans la quête principale. C'est du full fight, c'est parti. Du coup je vais jouer d'abord H, je pense. Je peux faire ça. Je vais faire un dégât cac. Genre maintenant. Faire ça. Ah j'ai pris les dégâts, j'ai la haine. Ah j'ai repris les dégâts, je sais même pas quoi. Ah, faut que je fasse ça un peu avec, mais ça passe. Je vois pas où sont les mobs. Je l'ai pas cancel. Oh non, vas-y, est-ce que je peux revive? Est-ce que ça le fait si je revive ou pas? Oh. Qu'est-ce que ça va faire? Il y en a encore deux. Ok, ouais, c'est bon. Ah, c'est marrant. J'ai eu un lock, c'est dommage. J'ai eu un lock, ça a locké sur le mob qui est parti attaquer Freyr en plus. Pas de bol. Compliqué là. On a, en fait, on se bat dans pas. Je vais me mettre là plutôt. On se bat dans pas beaucoup d'espace. Ce que j'ai pris. Je suis mort, je pense. Mais quand même, en cas où, mais. Ah ouais, c'est chaud. Arrête de lock! Ça va être 6 là. Ça va être chaud. Ouah, la vie qui m'enlève en un coup. Il passe level 6. Ouais, après, c'est parce que je suis mort, du coup. Enfin, il faut que. C'est pas mal ce que j'ai fait avec la hache. Ou je bourre un peu moins, peut-être. Hein. Peut-être mis du temps à les attaquer. Mais j'ai shield. Mais quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression que j'étais en shield et que je me suis fait grab. Ok, mauvaise idée de commencer le fight là où je suis. Parce que je vois rien. Tout simplement. Je pense qu'il faut que je garde chaîne et que je joue même pas H. Parce que c'est trop chiant.
Parce qu'ils sont tous autour de moi. Si je garde chaîne, je peux tous les taper. Du moins, voilà. Ah merde. C'est chiant parce que je vois rien du coup. J'attaque, bon, je sais même pas quoi. Elle les a gérées toutes seules. Quel bâtard. L'autre va venir me mettre un coup. J'ai plus beaucoup pour lui. Oh non! J'ai quand même fait un troll par le lock. Hein. Et là on est en 1v1 dans la faille. Oh, je savais pas si je pouvais le parer ça. Oh merde. Bon allez. Oh merde. Ah Sarah, c'est si dur. Oh putain. Mais Marion, j'espère que ça va. C'est si dur. Ok. En vrai, la prend. Hein. Ah non, mais. Rien. Oh ça va bien, mais c'est trop dur. J'ai pas d'espace pour me battre. On est dans un endroit tout petit. Tout petit, tout petit. C'était pas mal en vrai ce qui s'est passé par contre. En vrai, c'était bien joué. Je peux même faire ça direct. Hein. Je pense. Je prends. Ça. Lui va faire un gigot. Oh non, je l'ai pas vu. Derrière toi, mon frère. Ok. Ah, c'est trop dur. Je régène pas. Trop dur. Ils sont si loin. En fait, Freya les amène trop loin. C'est triste à dire, mais elle m'embête. Bon, elle me fait plaisir. Elle m'aide bien en les empêchant d'évoluer. Mais du coup, elle les emmène si loin. Ils sont à l'autre bout du monde. Alors que moi, je suis le gros me fait trop mal. Merci. Oh, je... Ah non, non, il est où l'autre? C'est un verre, ça y est? Ah, ok. C'est un verre dans la faille. Ok, on fait gaffe à ça. Il est revenu ou pas? Ok, on fait cancel. On va faire ça. Ah, il est gelé. On en profite pour taper. On cancel. Pourquoi il veut pas? Je sais pas si c'est... Pas mal, je crois. Attention, j'ai pas vu. Il m'attaque. C'est encore possible. Je suis allé dedans, mais il n'y a pas d'espace. Pas d'espace. C'est giga dur, hein. Attention, derrière. Oh.
La parade à l'aveugle. Non ! La caméra lock ! J'ai pas voulu locker ! Du coup, ça a déplacé ma caméra, ce qui fait que ma roulade a changé de sens. Et j'ai... Ah ! Et j'ai spawn sur le truc qui était au sol. Oh, c'est... Il tank, hein. Il tank sa race, lui. Oh, les deux petits là, ils ont pris si cher. Merde, j'ai fait quoi là? J'ai fait n'importe quoi. Allez, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que sans faire exprès, j'ai activé. Il faut que j'arrête. En fait, j'appuie sur mes joysticks, c'est ça mon problème. Ah, oh, c'était en inverse, c'est dommage. J'appuie sur mes joysticks. C'est pas une bonne idée, il faut pas appuyer sur ces joysticks. Ça me fait faire des trucs que je veux pas faire. Ok, je vois, y'a rien. Franchement, l'un des pires sorts, le fait de rien voir en vrai. Hein. Voilà. Je sens ça, je vais reculer. Et ouais, je peux pas reculer. En fait, faut pas que je fasse mon truc. Je sais pas ce que je fais. Non, j'ai pas pu le cancel. Il a rage. Oh là. J'arrive. Je vais cancel de justesse. C'est chaud. Là. Je peux pas bouger. Ah, je veux l'attaquer, mais du coup il était au corps à corps. En fait c'est dommage. Pareil, Freya qui me l'emmène loin. Mais du coup, il était loin, je me suis dit je vais pouvoir dasher dessus. Il a été repoussé par Freya. Du coup, mon dash ne s'est pas écarté de la boule au sol et du coup je suis mort. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il faut pas que je fasse mon sort lent. Parce que ça me bloque trop. Oh putain. Il est mort ou pas? Il est pas mort, il est vol. Je vois rien. Mais je vois rien! C'est trop dur le combat! Le lock encore une fois qui m'a niqué. Ah, il lui restait un HP! Il lui restait un HP! C'est si dur. Quand il y a 3 mobs comme ça. Après là, c'est fait pour être dur. Hein. Une faille comme ça. Mais quand il y a 3 monstres puissants. Il faut que je vois rien. En plus de ça, collé. Super dur. Oh non, j'ai pas. Oh voilà. Ah, c'est mort. J'ai pas bloqué. À droite, mon frère. À droite. Ah merde, je l'ai pas vu. Ils me l'ont dit ou pas? Non, ils me l'ont pas dit. Je pouvais pas le voir. Enfin, sauf si visuellement je le voyais, mais j'avais pas d'infos autour de moi. Normal, je suis aveuglé. Qu'est-ce qui m'a aveuglé là? J'ai pas vu ce qui m'avait aveuglé. C'est si dur, punaise. Bon, les monstres ne crachent pas. Mais... Ah, il m'a touché. Je peux avoir les deux comme ça à chaque fois. C'est bien. Pas sur ça. Quoi, ça me tue? Ouah, mais les PV ça crache. Bon débat. Donc je roll in. Ce que j'ai fait, je sais pas. Un V1. Je
pas aller là-bas. Non, je peux pas faire des attaques puissantes en reviens tout de suite. Je ne peux pas. Bonsoir Lohams. Je ne dois pas faire d'attaque puissante en 1v1 contre lui. Parce qu'il lâche des trucs au sol sans se faire stun. Ah, c'est si dur. Ça va bien Lohams? T'as passé une bonne journée? Ah, c'est si dur. Pas du tout voulu faire ce que j'aime pas. Mais en vrai, dans mon malheur, ça a fait un truc ok. Oh, shit. Oh. Encore. Oh, il fait pas faire de parade là. Non. C'est pas grave, je revive. Oui, c'est pas le premier essai, c'est pas le premier essai, non. Ok, je passe H. J'ai H là. On met ça. On a tué ça. Attention. Oh, je l'ai pas touché. On va prendre son mal en patience. On va pas faire d'attaque puissante. On va juste le rush au cac. Non. Toi, attention. Il m'attaque. Okay. J'ai le doigt sur la parade. Je l'ai fait un poil trop tard. Ah, il tank. Il tank. Après j'ai trollé là. Je m'en vais me battre dans un endroit étriqué, mais j'ai pas trop le choix. Regardez le territoire où on se bat là. Derrière toi. Oh, ça c'est cool là. Je les ai tous tapés de fou là. Arrête de lock. Oh, il a evolve. Ah, les deux ont évolué. C'est un lock qui est au moins. Attention! Putain, je l'ai vu. Je fais ça parce que je sais pas où il est. Ok, c'était mieux. C'est pas grave. C'est bon, ça va, ça va. Non, il m'a eu. Je revive. Ok, c'est chaud, hein. On se bat à quoi? On se bat aux lames, hein. On se bat à la hache. Ah non, c'est pas une bonne idée de se battre à la hache parce qu'il... ça va trop loin. Putain, mais... Oh, putain. Je dis, mais je crois pas. Oh, ouais, je kiffe mon étage, quoi. Qu'est-ce qu'il fait comme enchaînement? Je comprends même pas. Ah, il avait perdu plus de la moitié de sa vie. Vous avez vu les dégâts qu'il me met? Après je joue pas build défensif hein. Mais les dégâts qu'il me met. C'est dingue vraiment. Oh, j'ai cru que j'allais le prendre. Ah, je l'ai vu, hein. Je savais qu'il faisait ça. Putain, j'ai déjà perdu ma vie. 1v1.
Je vais pas me battre l'âme. Oh le bâtard. Je pensais qu'il lançait les trucs au sol. Ah il était encore plus low life non? Il était encore plus low life je crois hein. Mais j'ai perdu mon revive trop vite, c'est con. Je sais que j'ai mon sort puissant hein, mais mon sort puissant il est trop dangereux à utiliser, je peux pas l'utiliser. J'avais même pas, je sais même pas où il est, il était derrière, j'avais une lumière, ok j'avais une lumière. Oh défoncé. Je l'ai pas vu passer sur le côté. J'étais en mode, il est devant moi avec, il y a les trois mobs là. Non il y a pas les trois mobs, ils sont pas paquets là. C'est dur hein, punaise. Encore une fois c'est optionnel ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Derrière toi, attention. Allez. Oh je l'ai cancel, je voulais pas le cancel à la base. Derrière toi, attention. Mais quoi? Mais il est monté au-dessus. Non mais... Ok, mec arrive, bam. J'aurais pu... En vrai j'aurais pu l'esquiver. Et je l'ai vu. Il est monté au-dessus le mob. T'as l'air rien 3 mobs, mais c'est 3 mobs puissants. On a déjà affronté un peu 3 mobs dans ce sens là. Ok. Lui est mort. Plus qu'un. Attention à gauche. En fait j'aimerais bien le voir. Si je le vois l'autre ça va, que je le vois. Si je le vois pas ça va pas. Là je sais qu'il va faire ça. Oh merde, l'autre arrive. On a un life là. Ok, un verre. Ça va. Chat connard, vraiment. Écoute, chat connard. Mais tellement de dégâts. Yo. Ah, faut que je tourne la caméra vite. Pas comme ça, non. Ah, j'ai de la vie, j'ai de la vie. Ah, ça c'est pas mal. C'est la merde de ce battre là. Je vois pas. En fait, le truc c'est qu'il peut passer derrière moi trop facilement. Alors de l'autre côté, il passe pas vraiment derrière moi. Il est où? On a le temps hein. J'ai pas mon régène H ou quoi. C'est ça. Oui. Punaise ça y est. Tiens. Écrase-toi sur le sol. C'est dur, c'est dur, c'est dur ça. Tout ça pour 4 boîtes de pierre. Ah c'est pas mal en vrai. Ok, 6 acier nains et 2 métal travail. Ok, c'est pas mal. 1000 gold. Ok, c'est pas mal. Le jeu en valait la chandelle. Mais waouh. Damn.
Damn, c'est pas facile, hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas, du coup? J'arrive, les louves. Y'a rien en dessous. Y'a un truc en dessous, putain. Truc en dessous. Comment? Ah, je vais peut-être même plus pouvoir le récupérer. Un accès. Okay. Ah. Y'a un accès, là, c'est ça? Ah, mais je suis là? Ah, j'ai débloqué ça. Ok. Salut, Simon. T'es pas en live, toi? Ah non, mais... Ah non, 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 c'est pas du tout. C'est pas du tout le truc auquel je pense. MDR. Je pensais que j'étais revenu ici. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, attendez, déjà, est-ce que je peux... J'ai cut. Ah, ok, ok. Oh, je peux plus aller chercher... Ah, c'est là. Oh, je peux plus aller chercher le truc. Bon, c'est des golds. Mais tu pars sur le ballon, toi, son nom? Avec Léa et la compagnie. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh non. Oh non. À nouveau, le fight. Non mais là c'est gratuit. Ouais, là c'est gratuit. J'allais dire... Oh, ça fait plaise. Let's go. Alors là on est bien. J'étais vraiment en mode, c'est pas possible qu'ils me remettent un fight maintenant. Putain, il donne tellement de trucs. Mais j'avais déjà ouvert ça. Et là. Ouais, en fait, ok. C'était fait exprès de pas le voir, limite. Ok. Allez, bah on retourne voir les loups. J'ai ramassé tellement de loot. Oh, j'ai plus cher. Mon coup est en train de geler. Il est trop rapide. Utilise ton bouclier. Mais attends, mais j'étais gelé, je pouvais plus bouger. Oh, on est reparti. J'ai pas de... Ok, on a deux mobs à tuer. J'ai pas de pierre de résurrection. No resurrection. Bonne. Oh, ça va, je suis là. En vrai, poison. Ça doit faire mal, mon frère. Ça doit faire mal, mon frère. Pas qu'il soit comme ça. Il est trop rapide. Utilise ton bouclier. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai. Il est trop rapide, c'est tout. Un bien dans la faille. Ah bah ouais. Là je meurs. En fait c'est trop bizarre parce qu'au début j'ai l'impression de leur mettre tellement de dégâts. Et après, il tank. Il tombe le fou. Alors, c'était pas mal en vrai. Ah, c'est ce que je te dis. Rends-toi, mon frère. Faut le faire. Non.
Ils sont pas contents. Ils ont pas envie de. Tiens, t'es mort. Oh, j'ai perdu vraiment de force sur l'animation par contre. L'animation est si longue. Salut. Ouais, alors j'ai tué ton pote, mais. Je te jure, pas fait exprès. Non, j'ai trop tard. Ah, il manquait un pixel. Il manquait rien, il manquait rien. Ah non. Oh, je suis. Shit. Grosse merde, je suis si slow. Tout va bien, tout va bien. Bim. Et mon pote Roger Lukrain. J'espère que tout va bien. On va passer un bon week-end. Voilà, pas la peine. Voilà, ta tête elle est dead maintenant. Tu vas faire quoi toi? Bien joué. Oh merde! Oh ça va. C'était trop dans. Ah il est gelé, faut que je joue. Je suis pas content. Je joue feu. Il est trop rapide. Utilise ton bouclier. Ok ok. Ok, je chine. Ah, ça a pas marché. Je suis mort. Je suis le plus gros troller qui existe sur cette planète. J'avais tout le temps de reculer. En fait, je ne peux pas. Il m'envoie une zone là. La zone qui m'envoie au sol. Non, c'est que je le fais trop tôt, je pense. J'ai pas touché celui derrière. Oh, j'ai esquivé la rabatte. Arrête de lock! Jeu de merde! Oh, j'ai pris trop cher. Reste sur tes gardes! Oui, bah, ok, ok, normal, normal. Mais tue, mais oui, tue! Non, mais en plus, je suis un troller, je l'avais fait. Donc, en fait, il faut vraiment. Parce que du coup, j'ai une parade quand je fais ma rage. Mais du coup, je l'ai fait un poil trop tôt, ce qui fait que je me suis heal, mais j'ai pris tous les dégâts, du coup, j'ai rien gagné. Du coup, c'était nul à chier. J'ai bien que. Attention au coup de patte. Enfin, lui là, il est en furie. Je sais pas si tu peux parler chaque coup. Là, je relis. C'est un peu risqué parce que je vois plus rien maintenant. Je suis encore surfé là. Je cache pas que c'est un peu la merde. Ok, ça a l'air d'aller. Ouais, ouais, ça va et toi? La famille, ça va? Oh shit. Oh, attendez, je suis là. Bam! Bam! Ok, je vais arrêter de troller pour le dernier. Je vais essayer de le tuer correctement. Je sais pas où. Je sais pas. Il est dans mon dos. Moi, j'ai. Je fais même une meurtre. Et là, il est gelé. Non, pas deux fois. Je me une main. Oh, damn. Oh, damn. J'ai failli choc. Hein. Parce que j'ai pris les petites explosions. Franchement, cette animation, elle est horrible. Regardez. Ah, ça me donne des frissons tellement elle est horrible, cette animation. Y'a rien, y'a que ça ici. Pourquoi je suis venu là? Je veux pas tuer pour tuer hein. Ah si, y'a ça. Y'a un objet. Os de bête. Ok, c'est tout. Ah si, y'a ça aussi. Regarde, il y a des débris de ce côté. C'est quoi ça? Des restes de la statue de Ah. Protection de la taille.
Une armure disséminée dans le lac des Neufs est fabriquée à partir de trésors apportés au royaume pour honorer Tyr et augmenter la chance. J'ai pas le temps de l'avoir. Oula, je fais n'importe quoi. Tac, tac, tac. Protection à la taille. Ouais, mais de toute façon, moi, je suis déjà en mode gameplay. C'est ça, du coup? Ah, c'est la chance. Les attaques au corps à corps ont une chance de porter un coup critique qui inflige des dégâts d'explosion. Ouais, bof. Ça donne quoi? Ça donne juste de la défense et de la chance. Ouais. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Forge la paix, pas une guerre. Oh non, mais j'ai que des quêtes annexes. J'ai pas la faire celle-là. Ah, c'est des runes de toute façon. Il pensait qu'il était de sa responsabilité de l'éviter. Il faut que je m'en aille d'ici. Pense encore ainsi. Je me fais avoir là. Fuis. Fuyons, fuyons. Il faut que j'aille au point bleu pour voir le passé de Sigurne. Et après revenir à la quête principale. Les loups, suis le bruit des loups, j'y vais. C'est là-bas. Oh, je me suis perdu là. Ça fait 1h10 que je dis faut suivre la quête principale. J'ai juste tué un boss quoi. Un mini boss de la quête principale. On a pris une demi-heure. Parle-moi de ta terre natale. Elle était violente et cruelle. Cela ne me semble pas différent d'ici. Ah. Il faisait chaud. Dérapage. Ouh. Ah oui, il faisait plus chaud qu'ici à Sparte. Je casse ça. Et là. Ouais, c'est je vais là. Que j'ai pas fait, mais je vais pas. Bien, si nous en revenions à l'histoire de Rimtur, le fils du tailleur de pierre, j'espérais que Freya nous raconterait sa version des faits. Est-ce qu'il n'y a pas grand chose à raconter? Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à. Ah, mais je m'en vais là où je dois aller en plus. Pas maintenant. Ah, mais c'est très bien. Je m'en vais là où la quête m'emmène. Ok, c'est la meilleure nouvelle qu'on vient d'avoir là. Il y a un truc là. Voyons voir. Je ressens quelque chose. Dans cette direction. Mais quoi exactement? Ok, la quête est juste après. Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. Les normes cachent quelque chose. Kratos, je sens les normes. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Laisse-moi loot. Et pourquoi il y a une giga chaîne là? Attends, mon frère. Voyons ce qu'a trouvé Freya. Ah d'accord. D'accord, je peux vraiment pas... Ok, allez, ouvre ça. C'est un piège, c'est quoi? Opna. Super. Allez, viens maintenant. Freya. Encore une arme. Piège. Sauf que lui, il a pas compris que vous venez d'en affronter. Il ressemble exactement à la même chose. Donc, ça apparaît. Voilà. Ah, merde. Ça, c'était pas prévu. Mon coup est en train de jouer. Oh non, je suis là. Je l'ai quand même pris. Esquive. Je peux pas esquiver. Oh, le gel, c'est le pire truc. Vous avez vu? Le gel, c'est vraiment efficace. Hein. Faut que je fasse gaffe au mob de gel. Hein. Ok, il est avec des potes. Rien. Rien, encore ouais, blablabla, bla, bla, rien, blablabla, bla, bla, il est là. Bam. Je l'ai. Qui maintenant? Ouais, des ennemis, ouais. Allez. Tiens, on n'a pas assez vu cette animation là. Attends, on remonte un peu la tête là. 3, 2, 1 et zla. Il reste un. Tu fais quoi toi? Oh, attends, je vais au cac. Ah non. Attendez. On va aller troller. Il y en a deux. Tiens. Allez hop. Toi, je te poison.
C'était le dernier. Vous allez faire quoi maintenant? Notre quête ne deviendra que plus dangereuse. Alors continuons. Retournons au Louvre alors. Ah non. Ah d'accord. Et du coup là ils sont en mode. Ah ouais, ils sont en mode demi-tour. Mais moi je vais aller là. J'ai vu la chaîne. Qu'y a-t-il là-haut? Il y a. Je ne sens rien. Sigurne. Rien qui ait un rapport avec les normes. Il y a Sigurne. Mais cela pourrait s'avérer intéressant. Oh, comment ils me disent, ce n'est pas là la quête principale. Quel est cet avant-poste? Oh damn! Comment ça va, Singri? Putain, ça faisait longtemps. Je te remercie. Oh, j'ai quasi tout rattrapé. Oh, je vais pouvoir améliorer des trucs là, non? J'ai besoin de quoi? Déjà, je peux améliorer ma. Je vais désinfecter mes outils. Eh oui. Eh oui, Jamy. Et ça fait un emplacement de plus. Et ça, ça fait plaisir. Je peux pas améliorer la hache. On est d'accord que la lame et la hache sont. Ah ouais, non, les lames font moins mal, hein. Faut pas que je l'oublie, ça, hein. Oh, c'est la poignée. Ah non. Comment ça? Chance élevée d'obtenir un regain de santé à chaque coup. Ah oui, piège du serpent, mais je sais pas ce que c'est, piège du serpent. Mais ça, c'est. Ça, je sais pas si c'est vraiment bien. Ajoute une onde percutante à la fin du combo, bof. Saisir un ennemi confère une grâce de renouvellement. Bon, après, ça me donne de la giga force, donc. Rien que pour ça, c'est bien. On l'améliore. Il faut des bois de pierre, j'ai plein de bois de pierre. Pétrifié, j'ai pas d'os pétrifié. Ouais, qu'on fait des esquives. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai ça. Ouais, ça donne de la force. Alexa, stop. Mon bouclier aussi. Attends, mais je peux tout améliorer. Oh, j'ai tué un truc, mais je sais pas ce que c'était. Ça, c'est full défense. Le renouvellement. Attendez, métal travaillé, c'est ce qu'il faut pour ça aussi. Je vais chauffer la forge. Non, ça c'est le. Ah oui, c'est le lingot asgardien. Ça va être difficile à améliorer. Hein. Les lingots asgardiens, c'est pas le plus simple à trouver. Hein. Ok, du coup, on peut mettre bouclier. Et améliorer. Ça devrait faire mal. Il me faut un alliage scintillant. Et mon rond, c'est vrai que j'ai ce rond là. Faire une grâce de renouvellement. Ça c'est bien. Hein. Ça c'est vraiment bien, ouais. Ça donne pas de force, mais. Fort, on est en full amélio là. Oh, j'ai un alliage scintillant. Mais il m'en faut deux pour améliorer ça. C'est une bonne idée. Oh. Quelque chose pour Freya? Ah non, ok, c'est les épées d'elle. J'ai cru que j'allais avoir une épée. Quelque chose en particulier tout. Ok, bah j'ai tout amélioré en vrai. C'est cool. Ouh, souvenir d'une terre étrangère. Je vais acheter. Alors ça peut être intéressant du coup. Augmente les dégâts de toutes les attaques capacité à distance. Augmente les dégâts au corps à corps infligés par Kratos lorsqu'il est à moins de 50% de ses HP. Et ça me donne de la vie. Moins de 50%, ça on s'en fout. Les attaques réussies purgent des petites quantités de bifrost de la jauge de santé de Kratos. Les attaques réussies purgent de petites quantités de bifrost de la jauge de santé de Kratos. Ouais, c'est nul. Peut-être ça en vrai, mais il m'en faut 3. Je vais l'acheter. Juste pour l'idée. Parce que j'ai beaucoup de thunes. Ça non. Accessoires. Ah, c'est pour elle. Ah oui, les gains infligés sont complètement accrus. Donc les flèches runiques sont totalement épuisées. En vrai, vu que je spam, c'est bien ça. Mais c'est pas équipé ça? Ah, je l'ai pas équipé. Ah, j'ai dû le ramasser là à l'instant. C'est rang 2. Qu'est-ce que j'ai? Quand une invocation runique est en cours de renouvellement, augmente considérablement les dégâts. Ah. C'est bien ça. J'ai toujours des invocations. Je les utilise. Je les spam normalement donc. Attendez. Utiliser une pierre de guérison ou de rage restaure 2 flèches runiques et raccourcit encore le renouvellement de l'invocation runique. Les améliorations restaurent plus de flèches et raccourcit davantage. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Full poison.
Mais un flèche chronique, carquois considérant plus de dégâts. Ah ouais, c'est ça que j'avais. Mais c'est vrai que ça là, à l'utilisation des invocations runiques, toutes les flèches runiques qui sont... Non. Ça, tous les dégâts infligés sont considérants accrus tant que les flèches runiques sont épuisées. Je pense que c'est plus fort. Attention que... C'est très fragile. C'est plus fort que ça, la première flèche. En fait, je spam tout le temps. Que te faut-il? Je vais changer. Pierre de résurrection, please. J'aurais pu prendre une supérieure en fait, mais c'est pas. Ok. Comme. Donc je vais juste changer Freya. Alors Aminette, j'ai un emplacement. Je peux pas avoir un bonus ensemble. Donc là, faut que je regarde juste. Ça, j'ai déjà équipé. Je veux de la... Ah, j'ai de la force là. 8 de force, ça me mettrait bien. Ah, ou sinon, voilà, ou sinon les trucs comme ça. Augmente les dégâts infligés par toutes les attaques morts venues du ciel. Faire une roulade permet de dissiper plus rapidement les effets de brûlure, de poison, de givre. C'est tout. Okay. Non, bah la force alors. Et par contre, relique. Non. Ah, ça faudrait que je l'améliore en vrai. Plus de dégâts au corps à corps. Go. Hein. J'ai masse XP. Parti. Là. Invocation runique. Épée. Non. C'est dans quoi déjà? Accessoire. Et je vais mettre le rang 3. Celui-là. Tous les dégâts. Ouais. À la place. Par les flèches runiques. Utiliser les pierres de guérison de rage. Restore. Deux flèches runiques. Et raccourci encore là. Après ça c'est... Utiliser une pierre de guérison. Ah non mais c'est des trucs au sol. Les améliorations restaurent plus de flèches et raccourcissent davantage le renouvellement. Ah non mais ça c'est nul. Ça vaut vraiment pas que je le prenne parce que je spam trop. Ok. Bon c'est pas mal. À ton service. Merci très bien Sindri, on y retourne. Regarde Mimir, un autre symbole de Fjotunland. Oui, ce lieu devait faire partie du royaume de Sigrun. Ma première avant-poste antérieure à une expansion. Sigrun. Oh par contre, c'est pas des lignes. Juste du combat, d'ailleurs. Il évite toutes les attaques. Oui, bah, ça je le sais. C'est ce que je disais en fait. Changement de flèche. Okay. Il évite toutes les attaques. Un autre troll endormi. Un petit cadeau des nains. Quoi? Okay. Oui, un gigacoffre. Ah oui, d'accord. Okay. Là, y'a rien. Je peux pas encore monter. Okay. Je dois seulement pouvoir tourner dans l'autre. Sans blague. Oh, y'a un oiseau de là-bas. Cela m'attriste de voir les terres de Sigrun en si piteux état. Si tu souhaites visiter son royaume, je risque malheureusement de ne pas apprécier. Ah. On va pas apprécier ce qu'on fait. Si elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pires choses à découvrir sur celles que l'on aime. Putain, mais tellement de thunes! Il y a un truc en bas là. Ah. Non, c'était pas ça que j'avais vu à la base, c'était le truc là-bas. Là, ça c'est de l'autre côté. Là, pour l'instant, je peux pas encore casser ça. C'est où l'oiseau? Hop, ah. Oh, j'en ai 16, je peux y retourner. Ok. Mais punaise, j'ai. Mais je me suis fait tout shot. Ok, j'avais pas. Je me souvenais qu'elle faisait un kill comme ça, mais je savais pas qu'elle allait faire des dégâts en popant.
Ok, c'est pas grave, on y retourne. Tranquille. Tranquillou, pilou. Ah oui. Cela m'attriste de voir les terres de Sigrun en si piteux état. Si tu souhaites visiter son royaume, Mimir, tu risques malheureusement de désapprécier tout ce que tu trouveras. Ainsi, elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pires choses à découvrir sur celle que l'on aime. Ah, c'est vrai qu'ils étaient en image. N'importe quoi. Allez, voilà. Utiliser tous mes sorts là, c'est ciao. Ça reste longtemps la zone là. Ok. Ah oh, la classique. Il y a un truc en bas. Ah. Attends, s'approcher. Du coup, j'ai utilisé tous mes trucs un peu pour un instant. Oh, il a pris un fou, lui. Ah oui. C'est pareil, ça. Oh, il attaque trop bizarre. Okay. Bah dude, t'es tombé. Attendez. Comment je descends? Après? Bah avant? Comment je descends en bas là? C'est de en bas là. Ok, je pense qu'il faut que je fasse péter un truc de l'autre côté. Là j'ai rien à faire. Ok, je pense qu'il faut que je fasse péter un truc de l'autre côté. On va aller voir là-bas du coup d'abord. Là. Ah. Je peux pas descendre là-bas, d'accord. Je vérifie juste. Ok, on avance. Je veux même pas que j'avance en fait. S'il parle. Ah. Putain, ils font peur hein. Salut toi. Content d'être réveillé. Ok. On monte. Ah non. C'est ciao. Y'a rien là. Ok, j'arrive. Oh, il a fait tout seul ça. Et du coup, je voulais tester, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est quand je ramasse des trucs au sol. C'est bien ça, hein. pierre de soin et tout, c'est quand je ramasse des trucs au sol. Mais attendez, mais comment je descends là? J'ai raté un truc, non? Oh. Non, si. Oh, je le voyais pas. Je sais pas comment je descends là-bas. Parce que je peux descendre là, mais ça va m'amener à rien. Bon. Okay. J'ai compris, on verra après. C'est au début de toute façon. Je sais pas quelle flèche on va faire utiliser. Ça c'est bien parce que ça augmente les dégâts de feu. Enfin, ça augmente l'effet. Ils sont en mode faut utiliser ça. Et c'est bloqué.
c'est bloqué des deux côtés. On va descendre. Ah. Regarde, là-bas. Oui, oui, j'ai vu. Tac, il faut remonter, tourner le truc pour redescendre. L'idée. Ah, mais je pourrais le faire dans ma chou. Ces runes nous en apprendront peut-être plus sur l'histoire de ce lieu. Parfait, quoi. C'est gratuit comme ça, là. Impossible. Et pourtant... Impossible. Oh, Mimir. Ah, le trépas d'Elji. Nous retournons à la cendre et à la poussière, où l'amour ne peut vivre, la mort prend place. Où l'amour ne peut vivre, la mort prend place. Tels sont les mots du prince Dagger. De ma droite lance goutte rouge le sang du sauvage roi Elji. Mon père, dans sa sagesse, lui a refusé la main de ma sœur, la princesse Sigrun, car il avait entrevu sa sombre et véritable nature. Piqué par cet effroi, par cet affront, le roi Elji a rassemblé ses troupes et envahi nos terres, déterminé à enlever sa fiancée. Ses soldats meurtriers ont plongé leurs lames dans le cœur de tous ceux qui s'opposent à cette union impure. Ma mère, mon père et tous mes frères, traqués, et massacré jusqu'au dernier, car ma sœur lui avait été refusée. Je suis le dernier homme de ma lignée. En empalant le scélérat Elji, j'ai accompli mon devoir et vengé ma famille. Damn! Ok. On est en full quête annexe, mais c'est marrant. Enfin, intéressant, je veux dire. Le frère de Sigrun a tué du coup Elji. Une fois que celui-ci ait détruit toute sa famille. Pas sage, quoi. Enfume, attaque. Oh! Après la brume, c'était pas mal parce que je pouvais faire le retour là. Mais ça, ça a l'air stylé. Bah! Après, moi je veux du givre en vrai et. Ouais, rien de mieux que ça pour avoir du givre. Donc. Nope. L'autre moitié de la clé. Mon but, c'est de faire vraiment du givre pour pouvoir ensuite comboter avec le feu. Je savais que ces fragments de clés s'assembleraient. Wow. J'ai hâte de voir quel verrou s'ouvrira. Ouvrir la porte du trésor, c'est où? Oh, c'est là. Oh, ok. Et là, je descends comme ça. Là. Toujours pas vu l'endroit où je pouvais descendre de l'autre côté, là. Peut-être maintenant. Non, bah non. Quoi? Je suis où là? Ah si, je suis en bas là. Je suis en bas, je crois. Ah non, ok, je libère ça. Damn. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? Je l'ai vraiment pris dans la tête tout seul. Quoi. Oh, je lui mets tout. Le combo entier. Quoi qu'il faut comme flèche, elle? J'ai plus. On est des dégâts là? Ah mais y'a un petit mob. Il s'y fait la lutte. J'aurais dû faire ça avant. Et bam. Parfait, procédons ainsi.
Damn. C'est très accueillant. Ah, attendez, comment je descends du coup? Ah, c'est la merde ça. Comment je descends là-bas? Là, je peux sauter en face. Je l'ai fait. Là, je peux descendre là, mais je peux rien faire avec ça. T'es d'accord? À moins que... C'est de l'autre côté, hein. Mais comment je vais de l'autre côté? Et il y a un truc là. Ah! Là, je peux descendre. Pas aller descendu là, si. Ah, j'ai pas vu ça, je crois. Je peux descendre ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas passer de l'autre côté. Mais comment je vais. Mais comment je vais le. Ah oui, je vais péter le truc. Ok, c'est là, 100%. Oh, j'ai raté ça. Pourtant, j'ai cherché tout à l'heure. Allez, mon frère, tu vas avoir besoin de flèches. Oui, je sais, je sais. Ah, come on. Je change. Ok. Un instrument de musique. Il vient de chez toi, il me semble. Sais-tu en jouer? Oui. As-tu oui. En jouer? Non. C'est quoi? Ah, c'est une lyre. Vas-tu en jouer? Non. Certainement pas. Ok, tout ça pour récupérer quoi? 10 gold? on prend tout. Dommage, dans l'autre sens. Faut que je pende mon linge. Ça y est, je n'entends plus tourner. On va faire une micro-pause, mes amis. On va juste récupérer cette thune. Et on va aller pendre le linge vite fait. J'en ai pas pour longtemps. Hop là. Ah, il y a peut-être un truc là en vrai intéressant. Et il y a quand même un giga coffre finalement. Donc c'est pas pour rien. Bois de pierre en plus. C'est bien ça. Ouais. Le bouclier. Ok. Allez, c'est parti. Je m'en vais juste de là. Comme ça, j'oublie pas par où partir. Non, c'est pas là. Simplement. Tout simplement. Par... D'ailleurs, il va peut-être y avoir un fight ici. Le roi Helgi a massacré sa famille car il ne pouvait être avec elle. Seul ouais. Son frère, le prince Dagger, a survécu pour tuer le roi fou. Sigrun et son frère ont eu un désaccord. Ok, on se laisse là. Je vais juste prendre le linge, je reviens. J'en ai pour 5 minutes, on va dire. Et puis à tout de suite, on continue l'aventure. C'est parti.
I'll show you. Et nous sommes de retour, c'est bon, mesdames et messieurs. Let's go. Oh, c'est si bref. Malgré tout le temps que nous avons passé ensemble. Ok, donc on n'a plus qu'à repartir, nous, hein, de mémoire. Je vais aller là. Du coup, faut que je fasse le tour et que j'aille là-dedans, je pense. Sigrun ne m'a jamais parlé de cette histoire. Ah, damn. Peut-être qu'elle aimait la manière dont tu la voyais. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de fight là d'ailleurs. Étonnant. Ok, on repart avec les loups. Les loups vont repérer une nouvelle piste. Continue d'observer leur tête. Ma montre elle fait chier pas. Ok, c'est parti les loups. Oh, y a l'éclair gelé. Mais là, de toute façon, moi je vais juste faire un petit virage là-bas. Parce que c'est pas là, hein. Non, c'est juste après. Alors là, les loups me disent d'aller à gauche. Freya, tu allais nous raconter l'histoire de Rimtur, le fils mais du tailleur de pierre, et du pari dans lequel Odin t'avait impliqué. Oui. Oh, j'espère que je peux y aller. C'est vrai. Un mystérieux bâtisseur disposait de 3 saisons pour le dérapage. Deux saisons. En cas de retard, il ne recevrait aucun paiement. Mais s'il réussissait, une audience avec la reine lui était promise. Attendez, ce bâtiment... Garde ça pour plus tard. Je crois qu'elle vous va. Oh merde. Ok, je me suis fait défoncer. En fait, on a voulu attaquer en même temps, sauf qu'on s'est attaqué en même temps. Mais je l'ai pas cancel. Eh oui, parce que j'ai eu le temps de lui mettre mon coup avec ma... mon feu. Mais y'a pas de problème. J'avais jamais vu ce bâtiment. On y retourne. Voilà. Voilà. Vous allez faire quoi maintenant? Sont où les mobs? Sont pas là. Un instant. Ce bouclier bloquant l'entrée est exactement le même que celui de la statue de Tyr. Un autre morceau de la statue de Tyr expulsé à travers le lac, venu s'encastrer dans ce bâtiment, semble-t-il. Ah, merde. Tout cela devait être caché sous la glace jusqu'à ce que ce bouclier vienne la briser. Mais moi, à la base, je veux juste... Non, attendez. Il y a des trucs à faire, là. Il y a des trucs à faire. Ça fait quoi ça? Ça ou ça? Ok. La force brute ne sera sans doute pas la solution. Ah.
Par contre, j'ai débloqué ça. Il y a un truc là aussi que je peux geler. Je peux pas déplacer mais que je peux geler. Et là je peux monter. Ah non je peux pas monter. Ah non parce qu'il y a ça. Ah. Ah jure. J'avais pas vu qu'on allait pouvoir grimper. Let's go. La force brute n'est pas la solution. Rarement, vous savez. Rarement la solution. Parfait. Procédons ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Putain, le bruit. C'est ok? Ah mais non, je peux pas parce que je suis en combat. Je t'ai considéré comme en combat. Ok, là y'a un truc. Oh. Fire. Ok, la suite. Ça marche, c'est du vol. C'est du vol de fou. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Y'a pas de mob? Regarde, là-bas. Où ça, là-bas? Ça servait à quoi ce que je viens de faire là? Oh merde, je pourrais pas remonter là. Ok, dans l'autre sens. Bien joué. Nous n'avons plus qu'à ouvrir ah. La porte. Let's go. Ah oui, ça, ça sert à... Bam. Voilà. Ah non. Merde, y'en a deux. Ok, j'ai compris. Ok. Vite! Et voilà! Gakov! Mais c'est pas ça, vraiment? Du tout. Ce n'était pas intentionnel. Bien Pierre sûr. A aiguisé. Ah! Oh c'est pour elle, non? Châtiment. Extraordinaire maté de quartz apprécié de quantiquant de la magie vanne. Un accessoire? C'est ça? Non. Ah c'est ça. Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sigillaire infligent des dégâts supplémentaires. L'amélioration augmente les dégâts infligés. Les attaques au corps à corps de qui? De moi? Ou d'elle? D'elle? D'elle je pense. Pourquoi je veux encore un point d'exclamation? Je sais pas. J'ai bien peur que mes flèches ne puissent traverser les murs. Quoi? Bah rentre. Ah mais non mais... Voilà qu'on se retrouve, Mimir. Cela pourrait-il être un trésor abandonné? C'est impossible. Le signet de la famille de Sigrun. On dirait une porte de chambre forte. Maintenant que nous avons récupéré les deux moitiés de cette clé, voyons si elle correspond au verrou. Ah attends, juste avant. Tu as récupéré ça. C'est gratuit.
Du coup là c'est une corne ou une pomme? Est-ce que ça alterne vraiment à chaque fois? Je sais pas, je sais toujours pas. Pour l'instant ça a toujours alterné. Mais je sais pas si c'est juste que j'ai eu les coffres en mode random alternation. Mode chance je veux dire ou pas. Mais là du coup il va y avoir un giga fight non? Il va se passer quoi là? Là il va se passer une dingue. Je sais pas ce qui va se passer mais il va se passer une dingue là. Apprendre les secrets du trésor de Sigrun. Mort sur le trône. Kratos! Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, j'ai pas été. Pas de bonne idée ça. Oula. Ouais, alors le problème c'est que lui je le contre pas en fait. Faut juste que je le bourre. Je le contre pas, je le stun pas. Du coup, je peux pas faire mes attaques lentes comme ça un peu sans réfléchir. Par contre, je peux faire ça, ça. De quoi? Ah ouais. Il est pas poison? Ah non, il y a des. Mes flèches. Oh, j'ai pas réussi. Oh, j'ai pas réussi à roll. Ok, il y a ça qui arrive. Ok, faut que je fasse gaffe. Mais je peux spammer au début. Hein. Je peux spammer au début. J'ai juste galéré. Pour rien. Mort sur le trône. Ah ça, ça pas du tout. Oh merde. Oh il en faut 3. On avait pas à 3. Parfait. Procédons ainsi. Non! Ok, je revive. Parce que j'ai une pierre de vie à côté. Ne le laisse pas, lance son sort! Bonjour. Ah oui! Là, j'avais zappé. Il est si lent. Je vais tuer ça. C'est la merde. Ah, je peux utiliser ça, ok. Et voilà. Impressionnant. Damn. C'est la première fois que je tiens comme ça. Le prince Dagger. Je n'arrive pas à croire qu'il est. Le prince Dagger? Ce corps est celui du frère de Sigrun? Mais comment a-t-il pu finir ainsi? Freya, pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Freya, pourquoi tu ne réponds pas? Ouais, on lit ça, ok. Es-tu certain de vouloir lire ça? Non, mon frère. Fais-le toi. La mort de l'amour. Jamais amour ne fut si passionné et si sordide que celui qui naquit entre Sigrun, la belle princesse, et Elji, le roi étranger. Elji implora qu'on lui accorde sa main, mais le roi Ogni, père de Sigrun, la lui refusa. Elji rassembla alors une terrible armée et déferla sur ses terres, abattant quiconque s'était opposé à leur union, ça je l'ai vu. Les vaillants lui percèrent la lance. Lorsqu'elle trouva enfin ses sens, ah c'est là. Mon prince perce. Remarque, c'est une autre phrase je crois. Elji rassembla alors quiconque s'était opposé à leur union, roi, reine et princesse. Tous trouvèrent la mort à l'exception du courageux Dagger, le frère de Sigrun. Le vaillant prince perça de sa lance le cœur du roi fou, aveuglé par la race, par la rage, en découvrant que son propre frère avait assassiné son amant. La princesse le maudit. Lorsqu'elle retrouva enfin ses sens et réalisa que toute sa famille était morte, elle comprit son erreur. Mais il était trop tard. La malédiction ne pouvait plus être levée et, à son profond chagrin, vint s'ajouter de déchirants regrets.
En pénitence pour ses péchés, elle abandonna ses richesses, son titre et son trône pour consacrer son esprit, son corps et son âme aux puissantes Valkyries. Elle fit le vœu d'ignorer son cœur, car son amour était trop dangereux. On dirait que Sigrun a maudit son frère pour avoir tué le roi fou. Non, vraiment. Elle ignorait qu'il avait assassiné toute sa famille. Lorsqu'elle l'a appris, il était déjà trop tard. Elle avait maudit son frère. C'est pour cela qu'elle a rejoint les Valkyries. Damn. Pour expier sa faute. Tu savais tout de la famille de Sigrun, Freya, n'est-ce pas? Il ne m'appartenait pas d'en parler. C'est drôle. Apprendre cela ne fait que renforcer mon amour. Elle m'a choisi malgré mes défauts, mes regrets. Je me sens plus proche d'elle en sachant qu'elle a les siens. Content de te l'entendre dire. Oh bah super. C'est tout? Il n'y a pas un giga-coffre, un truc là? Peut-être là-haut. Ah, pardon. Petit coffre. Ok, donc toute cette quête n'a servi qu'à ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, ce sont les schémas de Dvalin. Tu le connais? Oui, c'était l'un des artisans nains les plus doués qui soit, jusqu'à ce qu'il se découvre une conscience. Je revérifie si j'ai pas oublié un truc. Je suis passé très vite. Genre là, il y a quoi là? Et ben, quête principale, c'est parti. Let's go. J'ai fini ce truc de toute façon de Sigurd. Oula. C'est quoi ça? Source d'inspiration. Quoi? Non, non, mais nous on fait pas source d'inspiration. Hein. Nous on s'en va suivre ce que les loups nous disent. Là où les loups nous disent d'aller. Comment était Sigrun la dernière fois que tu l'as vu? Elle reste immatérielle depuis que Kratos l'a libérée de sa forme corrompue. Mais cela ne l'empêche en rien d'aider dès qu'elle le peut. En vérité, je lui dois plus que je ne pourrais jamais lui rendre. Ah. Je doute qu'elle le voie ainsi. Quand nous l'avons délivrée, elle ne faisait que répéter combien elle te vénérait. Te voir redevenu toi-même a dû être amplement suffisant. Il y a un atelier là. Attends, juste c'est quoi ça? Je vérifie juste ce que c'est. Ah, c'est juste ça? Freya, peut-on en revenir à ton histoire sur Ymir? Tu as dit que s'il bâtissait les murs d'Asgard à temps, il pourrait avoir une audience avec toi. Oui. Mon frère, là. Ah, c'est des trucs de tir. Regarde. Il y a des débris de ce côté. Les restes. La statue de tir, je présume. Mais c'est ça que je cherche, là. C'est juste à ma gauche. Si je fais suivre. Ah ok, c'est une zone. My bad. C'est une zone. Mais c'est quoi ça? La statue de... Ah mais c'est pour récupérer le... Les runes. Ah c'est les runes gravées, ouais, on s'en fout. Finito, c'est finito ça. Allons-y les loups. Freya, peut-on en revenir à ton histoire sur les dieux? Tu as dit que s'il bâtissait les murs d'Asgard à temps, il pourrait avoir une audience avec toi. Oui. C'est du moins ce que j'ai appris lorsqu'un matin, fulminant et à moitié ivre, Odin est venu m'ordonner de m'habiller et d'aller voir ce que voulait ce bâtisseur. Ah. Alors j'y suis allée, totalement ignorante de tout ce qui avait été promis. Une dague dissimulée dans ma robe en cas d'urgence. Ah, bien sûr. Assez. Il nous coûte. Toujours, toujours la dague. Je veux suivre ça par contre. Plutôt que l'autre truc là. Ne plus suivre. Là je suis forcément. Ok, quête principale. Est-ce qu'on va voir les Nornes aujourd'hui? Oh damn. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Oh, c'est des femmes, j'aime bien.
Bah là, il y a un moyen de monter. Oh, on est reparti en gameplay. Gameplay Prince of Persia. Là, peux-tu nous tailler un passage dans la glace ? Oh, les Nornes se sont mises à faire des murs de glace magique. Non, je pense que l'eau a simplement gelé. On va faire ça d'abord, s'il te plaît. Non plus qu'un. Il est en bas le dernier ou pas ? Merde. J'arrive pas à voir d'ici. Ah, je peux descendre. Donc le N, c'est le... Ouais, je pense qu'il est après, en vrai. Il a pas l'air là, il est pas sur le côté. Que ça soit là. Là, ça m'a fait. Tes amis. Je ne leur ai pas demandé de venir. Ah, je les ai pas vus. Ah oui, d'accord. Il tente lui. Donc, j'esquive. Eh ouais. Ouais, je sais. J'ai toujours. J'ai vu le truc de loin arriver sur moi, j'ai fait oh oh, j'ai lancé l'attaque lourde et pas l'attaque rapide, enfin l'attaque puissante. My bad. Mais du coup je pense que... Ah bah il est là, super. Ça touche pas, putain. Ah non ! Il m'a pas compté le R ? Attends, mais le R il était... Il était en là, hein ? Mais what the fuck, pourquoi il m'a pas compté ? The fuck, dude ! Putain, mais comment je l'ai raté, lui ? Non. Dans l'autre côté. Là. Ah, il y a du temps ? Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, corne, théorie, hydromel, ouais. Ok. Oh, les deux prochains coffres, ça sera cool. Ça sera cool. Ok, on retourne en fight du coup. Je peux me battre H d'ailleurs au début si je veux. Ouais. Trop bizarre la gâchette adaptative là-dessus. Elle était dure, puis pas dure, puis dure. C'est encore tes amis. Je ne l'aurais pas demandé. Allez, on va découper. Derrière toi. Bon, alors là, il va y avoir un massacre. C'est ça, non ? J'ignore comment les Nornes ont persuadé ces maraudeurs de les protéger. Bah alors, dude. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Ok, on monte. Merde. Faut y aller, hein, pour aller voir les Nornes, putain. Oh. Freya. Merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est beau ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la causette. Ah, faut que je regarde si à un moment je peux pas aller sur le côté. Hein. Voilà.
J'ai vu l'aveugle. Mon frère, cela ressemble à une sortie, pas à une entrée. Il a raison. Les normes se trouvent plus loin. Je sais, mais est-ce que je peux pas juste faire ça et ça et trouver un giga coffre, hein? Voilà. Il est un peu gratuit ce giga coffre. Ça va pas être ouf. Défaire son porteur de ses souffrances et de les rediriger vers l'ennemi. Ronde purification. Quand Kratos est sous l'effet du givre, du feu, du poison, du bifrost, les coups de bouclier dissipent l'état et infligent des dégâts de cet état à l'ennemi. Ok, pas ouf. Oh, par contre, ça donne de la force. On sait à quel point j'aime la force. Mais bon. Pas ouf en vrai. Je donne jamais de coups de bouclier. Déjà que je dois mettre des coups au cac pour mettre le poison sur les boss. J'ai pas de coups de bouclier à mettre en vrai. Partout. Ça, mon gros. Je suis tout seul. Hop là. Voilà le feu. Aucun dégât. Très bien. Let's go. Je sens quelque chose. Oh, je les ai oublié tirer. Par ici. On y va. Vas-y, haut de machin là. Oh non. Ah, là on discute. On l'a trouvé. Ah, et seulement au bout du troisième essai. Comme par hasard, trois essais. Trouver les Nornes au puits d'Oulo. Vous entendez? Ce murmure épouvantable. C'est comme une démangeaison de l'esprit. C'est que nous sommes entrés dans leur domaine. Soyez sur vos gardes. Des illusions. Des projections, peut-être. Mais ne présumons de rien. Qui sait quelles autres créatures ignorent qu'elles leur servent de garde? Formidable. Formidable. Ok. Welcome back to Assassin's Creed gameplay. Même Prince of Persia plutôt. Fight. Pas de fight pour l'instant. J'en ramasse. Kratos. Fantôme de Slack. Fléau de l'Olympe. Destructeur du destin. Impitoyable. Destructeur du destin. Porte guerre. J'ai pas ton dodge. Il court après la rédemption. Tout ce qui ne l'a pas changé. Tu ne peux le changer. Voilà, je vais détruire le poison. Bam, le poison il a fait un taf. De fou. Vagabond. C'est vrai qu'eux ils sont trop forts. Hein. Les adeptes zélés qui suivent la voie. Sommes-nous dans nos esprits là? Ce qui se passera dans ton esprit sera tout aussi réel, malheureusement. Ça. Il gardait ce passage vers l'extérieur. Allons voir. Oh non. Ça pourra pas être plus dur que tout à l'heure, je pense. Attaque derrière, vraiment.
Ah, ça vaut pas les trois mobs de tout à l'heure. Cet endroit m'est presque familier. Ça vaut pas les trois mobs de tout à l'heure. Comme un souvenir. Et un souvenir hostile, qui plus est. Ces noirs devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas. Ah. Il y a un coffre derrière. En fait, c'est marrant parce que du coup, là, le monde est grand. Oula. Sans être grand, c'est bien fait. Hein. J'ai pris des dégâts là. Oula, oula, mais laisse Freya tranquille. Elle trouve toujours quelqu'un à blâmer. Elle ne peut changer. C'est vraiment full fight là. Oh, je vous connais où. Je vais tuer ça d'abord. Oh merde, j'ai spawn derrière, je crois. Peut-être fait une erreur là-dessus là. Apparemment je peux faire ça en vrai. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, il m'a loqué le gros mob et pas le petit. Ok, bon, my bad, j'ai avancé beaucoup trop loin. Où est-ce que je vais respawn là? Ah, je suis... Ok, je suis juste là. Est-ce que je voulais tuer ça en fait? Du coup, il y en a un deuxième en plus. Je sais pas où est l'autre. Je crois qu'il en a un V1 contre... Ah, c'est sur moi. Ah, j'ai fait trop tard. Oh, t'es là. Deux fois le truc. Ok, je sais pas. Je vais juste prendre. Ah là, le coffre avant de spawn tout le monde. Et du coup, il faut que je les grabe. Je grabe les petits là. Bois de pierre. J'ai plus de vie. Ouais, je me disais qu'il y avait de la vie là-bas. Ok, il y a un petit coffre derrière aussi là. C'est ça qui spawn. Oh non, c'est parti. Conseiller de roi, joyeux vagabond des bois, robin bon père. Laissez-moi deviner, je suis un irrécupérable arrogant, je sais tout. J'ai bon, sans oublier, homme le plus intelligent qui soit. Oh, je l'ai oblitéré. Ah, le poison. Le poison, 40% de dégâts en plus. Sur une cible qui a pas trop de défense, une sorcière, ça fait très très mal. Plus le don de force maxé. Ça teinte comme du véritable argent haché. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais au moins nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elle lise la vie entière de quiconque les approche. Ah. Oula. Oh. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame! De la magie folle! Ça marche. Ok. Ma parole, regardez ces choses. Je suis quoi maintenant? Quand ça brille, il est vulnérable. D'accord. Ça brille là? Ah, j'ai pas. Putain, je pensais que j'avais. Ah, il m'a manqué un pixel. Juste quand ça brille. Mais putain, je comprends pas.
Voilà. Et là, j'ai compris. Il est assommé. J'ai l'impression que faut que je la batte au cac. Ah! T'avais pas forcément plus de. Ok, j'ai fait là. T'avais pas forcément beaucoup plus de. Ok, faut que je regarde. Là, je l'ai tapé un peu à main nue pour voir. Je lui inflige du poison d'ailleurs. Mais ça va pas. Ça va pas être très utile, je pense. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame! De la magie folle! Vise son cœur unique! Ma parole, regardez cette chose! Encore! J'approche! Et là, c'est le poison. C'est le poison qu'il a pris comme ça? C'est bien! Continue! Ouais, il prend autant de dégâts que du chemin. Je me ferme. C'est bien! Continue! Attaque les sources. Ah, vite, avant qu'ils récupèrent. Ok. Il a récupéré. Ok. Ah, oh, c'est stylé comme fight. Okay. La phase 2 est vénère. Il fait rien. Il faut que je saute. Je peux sauter? Je peux pas sauter. Maintenant, attaque ta rune. Attaque, j'attaque. Ah bien sûr. Mal mon frère, tout va bien. Ton cœur est affaibli. Allez. Oh non, il reste rien. Allez JB, on tape ça. Oh, j'ai mis tellement de temps à le taper. Ça suffit, chou. C'est terminé. Il est temps de l'achever. Ok. Ok, stylé. On le fout dans les mains. Bah, il le compresse quoi. Eh bien, encore un cadeau de Fimbulwetter, je suppose. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Assez non. Lune brisée, métal travaillé. Ah, j'ai pas eu de flamme. Bois de pierre. Il me faut des flammes là pour améliorer mes lames. Oh, bijoux. Fragment d'amulette, ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal. Ok, on y va. Par ici. C'était un boss facile. Oh, oh oui. J'ai eu les flammes. Générée lors des combats épiques, elle permet d'améliorer. Oh, oui. Oui monsieur, oui monsieur. Je dis oui, je vais pouvoir améliorer les flammes. Je commence à être bien stuff avec Kratos en vrai, je trouve. Pas trop galéré là, hein. Après c'est un boss un peu particulier. Après il me touche autant. Je me suis fait toucher qu'une fois. Nous c'est la merde. Oula. On est dans un endroit là. Encore ces démangeaisons.
J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? Peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. T'afficherais, moi. Stylé, ouais. C'est vrai. Finalement. Toujours regarder derrière. On les entend un peu, j'avoue. Hein. Une porte. Ah. Oh, ça fait très officiel. Parti, hein. Paf, paf. Bon, on a fait un combat de boss, donc... Baldur. Oh. Je sens absolument tout. Baldur, écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Non! Baldur, reviens! Ah, attendez, je me bouche! On m'attaque! Je pensais qu'il allait avoir une giga cinématique, là. Vous êtes un monstre de merde! Je les écoute pas. Tu te regarde ce que tu veux. Regarde ce que tu veux. Derrière. Je sais pas si tu vas me toucher. Il pop. Il y a bien beaucoup de mobs là. Il reste hein. Je vous interdis de me toucher. Personne ne lui fera du mal. Personne ne touche à mon fils. Oh non. Oh, c'est elle qui l'a buté. Ici, mon frère. Viens me chercher. Je ne veux pas de tout ça. Ah, putain. On revit des trucs du passé. Si elle s'imagine que j'ai la moindre envie de... Mimi! Sigrun? Attends, mon frère. Pourquoi tu ne t'es jamais pressé contre ça? Mais je l'ai fait. Oh, j'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Oh, Sigrun. Oh, le fight! Oh, je veux... Oh non, si ça avait été une Valkyrie, ça aurait été incroyable, mais c'est pas une Valkyrie. Tu le regardais se prendre à tous et à toutes choses. Attendez. Et tu n'as pas dénié le... What? Mais ça va être giga dur là par contre. Jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à toi. Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Un peu ce qui est pas un allié de tous ceux qui... Étais-tu l'allié de Freya lorsqu'elle souffrait? De Scarlett, de Gora ou de Titania? Non. Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissent. Attention, mon frère, il en vient d'autres. Même aujourd'hui. Ah bah oui, là, mais il y a beaucoup de monde là, c'est un peu compliqué quand même. Et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de la plaider, frère. Mais je suis censé faire quoi là? Il y a un peu beaucoup de monde quand même. Les autres ils se touchent au thé, mais. Du jour où tu l'as connu, au jour ça va où chou, tu ça. L'as scellé dans cette arme. Faut que tu... elle? Tu planifiais ces guerres! Je sais pas, je sais pas. Ah mais elle est plus là. Tu à tous et à toutes choses! Et tu n'as pas dénié oh, le champion, fils! Petit-moi! Jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à toi! Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Un conseiller pacifiste, un allié de tous ceux qui... Étais-tu l'allié de Freya lorsqu'elle souffrait? Oh, de merde. Oh merde, putain, c'est dur! Non, tu as toujours été du... Oh, c'est... oh ça va être dur, hein. En vrai, il y a tellement de mobs que je peux pas tuer facilement parce qu'ils sont d'en haut, en fait. Je sais pas si je dois faire plus L. Je sais pas si je peux. Tu le regardais se prendre à tous et à toute chose. J'ai pas de flèche pour la faire. Ok, je vais l'ignorer, je pense. Attends, mais c'est elle qui les fait spawn ou pas? Je sais pas si c'est elle qui les fait spawn. Du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans cette arme. Je fais ça, hein. Tu planifiais ces guerres. C'est ça, je crois que t'es plus. À tous et à toutes choses. Et
Tu n'as pas fini, levez le petit doigt jusqu'à ce qu'il s'entraîne à toi. Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Un conseiller de un allié de tous ceux. Effectue l'allié de Freya lorsqu'elle souffre. De Scarry, de Grora ou de Titania. Non, tu as toujours été du côté des... Ah, c'est un mal pour un bien, ouais, parce que en vrai, je mets les dégâts du coup. Il en vient d'autres. Tu vois un dieu brutal en détresse et il peut t'empêcher de l'aider et de l'appeler tes frères. Ah, elle est là. Ainsi tu es. Oh, je peux me battre contre toi. Ah non, c'est contre la terre. Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Damn. Mon frère, l'arme. Il m'a tué. Émir. Toto, aide-moi. C'est un monstre. Atreus, j'arrive. Thor. Dis-moi que c'est Thor. Il veut quoi, lui? Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Mais pareil, ils sont giga squishy. Il faut que je joue l'âme. Faut que je joue l'âme. Ils sont beaucoup giga squishy. Il faut jouer l'âme. Pardon. Oh, c'est dur cette phase, hein? Plutôt, c'est dur. Aide-moi! C'est un monstre! Ouais. Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne le laisse pas mourir! Quoi? Bon là. Oh damn, ce qu'il m'a mis! Je peux le stun? Je peux les stun au début? Oh, je peux. Aide-moi! C'est un monstre! Ensuite, l'âme. L'âme du chaos into. Into ça. Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Et là, il est derrière. Ne le laisse pas mourir! Voilà. Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu? Où les mobs? Voilà. Je ne peux pas y retourner. Attention, ma tête. Ah, c'est hors champ. Hein. C'est un meurtrier. Comment j'ai tué le coup là? C'est un meurtrier. C'était ce que j'ai fait. Et maintenant, je l'ai vaincu. Il a tué sa famille. Atreus, je suis là. Pas de dingue. On va juste prendre. C'est un tueur de sexe. Je fais ça. Je suis en danger avec lui. T'es en danger avec qui? Avec moi? Oh, la porte va se fermer. Père de tout, aide-moi. C'est un monstre. Oh là 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 là. Elles sont où les normes là? Les normes. C'est terminé. Ouais. Réussi l'épreuve? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Moi, je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Oh, c'est un cheval. C'est une kelpie. Je vais lui demander, gentiment. Toutou, ma belle. Toutou. C'est trop beau. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes? Non. Pas envie qu'elle me mette un coup de sabot derrière, là. Montez. Gentil, Fifi. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. Marche d'où je viens, on disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oh, c'est incroyable. Oui, il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Ah non. Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. C'est vrai, mais kelpie, j'en ai affronté un sur les titans. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. C'est Pégase ou quoi? Une race de chiens. Ah, mais ça va dans l'eau! Non, je peux respirer ou quoi? Oh la dinguerie! La dinguerie! Kelpie, est-ce que ça existe vraiment?
Créature métamorphe mentionnée dans plusieurs mythes et légendes issues du folklore écossais et irlandais. C'est des caractéristiques chevalines, aquatiques et humanoïdes à la fois. Et vit généralement dans les eaux courantes comme les rivières et plus rarement dans les lochs. Stylé. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Bon, oh, bah, on y va, hein. Après vous, mademoiselle. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Ouais, ouais, ouais. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Tout le monde meurt, un jour. On sait pas. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de destin suprême. Il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Oh la dingue! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Oh, devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase. Ah, on va se fight contre Emdal. Le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, c'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. On n'a pas appris grand-chose, là. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était. What the fuck? Par contre, je me souviens d'Emdal. Déjà, l'impression d'oublier ce qu'elles ont fait en s'immisçant dans mon esprit et cette sensation est désagréable. Peu importe, je me souviens qu'Emdal est un danger pour mon fils. Cela me suffit. Pas appris grand chose. À part le fait que j'allais mourir vite. Mais que je suis briseur de destin. Bon bah on repart, hein. Oh, incroyable. Quittons cet endroit. Avec plaisir. C'est une scène. Ça c'est une scène là. La transi. Mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Et lui, il marche sur l'eau. Attendez.
cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Oh. Je lui trouverai peut-être une utilité. Odin, il s'est pendu? Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... n'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Heimdall, j'espère. Je ferai ce que je dois faire. Ah, je ferai ce que je dois faire. Ça. Tu aurais tort de l'en dissuader, Mimir. Tu connais Heimdall. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié le Gjallarhorn. Nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Oh. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'un certain. Oh, le fight contre Heimdall, il va être incroyable. Bon, ben on va sortir de là, je pense qu'on va pas tarder à arrêter le stream. On aura finalement pas tant avancé que ça dans la quête principale, mais... on aura fait des quêtes annexes. Et on aura bien combattu les moments. Tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Nous n'avons pas les moyens d'atteindre Heimdall, et encore moins ceux de le tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère. Mais là n'est pas la question. Où j'y vais là? Oh, c'est vraiment les coffres gratos, quoi. Enfin, on les cache quand même, mais bon, en vrai, ils sont gratuits. Hein. Le travail, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est maintenant, il va falloir... je vois quelque chose. Que tu vois? Damn. Pour monter? Oh, coucou Aki! T'arrives sur la... oh, mon casque a bientôt plus de batterie. On est sur la fin du live. On essaye de sortir de cet endroit. Je crois que nous passons là, à côté du message des normes. Nous avons chacun nos penchants. Voilà. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes. Oh. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi? Allez, c'est ciao. Mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime. Freya. Désolé, c'est un méchant. C'est un méchant. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit. La vérité est parfois cruelle. D'accord. Allez-vous me contredire là-dessus? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère? Jean du resto. Ça avait l'air si bon. C'était un peu savoyard et tout, non? Tentant de les empêcher. Comme Freya lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Heimdall serait stupide. Non. Si Heimdall doit mourir pour qu'Atreus vive, alors Heimdall mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais? Si Heimdall représente un danger pour mon fils, je dois agir. Je dois agir. Voilà. C'est en dans ta nature. T'es resté au fond du Star Twister. Oh la dingue. T'as pris quoi? Mais du coup, là, c'est quoi le plan? Où j'aille où là? Je retourne à la maison. Oh, faut que je retourne à la maison. Je vais juste aller chercher le coffre des oiseaux. Enfin, des corbeaux dedans. Rentrons à la maison. Ok. Du coup, je vais juste chercher le coffre. Tartiflette, let's go. Écoute, mon frère. Avant de prendre retourner ici. Ah, je vais avoir Cédric juste ici là. Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les environs. Oh, j'ai fait plein de trucs, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas que j'ai fait des quêtes annexes pendant deux heures. Je ne serais pas content de passer un peu de temps ailleurs. C'est pas un goût fondu. Ah, oh, fondu. Ta décision, mon frère. Fondu, c'est trop bon. Ah, je peux améliorer l'épée. Les attaques au corps à corps s'abattent lourdement sur les ennemis infligeant étourdissement accru. Bifrost, dégâts de Bifrost en vrai. J'ai enfin eu mon dessert. Deux restos que je peux pas prendre. Deux?
Quoi, deux? J'avais fait un resto avant, tu pouvais pas prendre de dessert? Ah ben oui, Buffalo, je suis con. Oui, 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 deux. Je ferai tout ce que tu veux. Deux. Totalement, totalement. C'est quoi ça? Épaulière de sagesse de Mani? Ah mais c'est fabricable. Quoi? Non mais j'ai déjà les meilleurs. En fait, ça c'est trop fort. Chance modérée à chaque utilisation d'une attaque runique de restaurer immédiatement 70% de son renouvellement. Moi, c'est les dégâts infligés par les compétences extraction de flammes. C'est pas mal en vrai. J'ai ramassé des dingueries hein, là. Chez des ennemis avec une attaque runique ou une relique offre une chance de faire apparaître une pierre de guérison. Alors j'ai la durée de tous les états infligés aux ennemis. Alors j'ai la durée. 50%. Toucher des ennemis avec une attaque. Ouais, du coup, il y a le full heal. Oui, je peux améliorer ça. Allo, il y a. Ouais, c'est ça. Ok. Objets spéciaux. Que puis-je faire pour toi ? Relique. Ah, je peux. Oh. Ah, mais. Projeter une décharge électrique sur vos ennemis. Non, mais attaque au corps à corps, c'est trop fort. Hein. Projeter 3 ondes de lumière qui infligent des dégâts. Attaque au corps à corps. Hein. Par contre, là, j'ai rien pour la force. Je vais voir ce que je vais mettre, ce que je vais équiper. Oh, je vends la lyre. Sûr à propos de tir. Le lyre, la lyre. Je sais pas. Armure, amulette. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il me manque plus qu'un emplacement pour refaire un set. Attends, on se croirait dans TFT quoi. Moi, t'as des dégâts infligés partout. Ouais, ça c'est nul. Faire une roulade permet de dissiper plus rapidement les effets. En vrai, renouvellement. Hein. Comme ça, je spam. Ça, je l'ai équipé. Ouais. Ah, c'est pas mal, renouvellement 9, défense 4. Renouvellement 9, défense 4, c'est bien ça. On verra après pour le 7. Ok. Pour l'XP disponible. Oui, je sais. Ah, et du coup, j'ai. Attendez! J'ai des nouvelles compétences de là? Non? Augmente nettement les dégâts. Ça c'est nul. Ça, c'est bien ça. R1, R1, R1 et R2 pour effectuer. Inflige d'énormes dégâts de brûlure. Ça c'est bien ça. Faut juste que je compte. 1, 2, 3, 4, 5 R1. C'est bien ça. Ah oui? Dans ça, je l'ai en or, je peux le. Dégâts, only dégâts. T'inquiète avec terre brûlée. Ouais, ça c'est. Je sais pas, j'utilise pas trop ça. J'utilise pas trop ça, ça j'utilise pas trop non plus. On voit que c'est pas mal ça. Ça, c'est... ça a l'air fort, hein. Avec un nom prochain des étincelles qui inflige des dégâts aux victimes situées derrière votre cible. Là c'est changement de posture. Là c'est. Et en vrai ça c'est pas mal aussi. Hein. R1, 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 R2, bam, du givre. Après ça me les éloigne de moi, ça qui m'embête. Faut que j'améliore Freya par contre. Oh, oh non, j'ai pas assez d'XP. Ok, je vais écho pour ça. Je vais écho. Ok. On va aller voir les coffres des oiseaux. Pourquoi j'ai vibré? Tout va bien. Muspelheim. De toute façon, il faut que je revienne à la maison. Mais du coup, les oiseaux, c'est Nilfheim. C'est ici. Est-ce que je lance la quête Est-ce que je rentre à la maison pour lancer Freya, la quête? Tu as dit que Fimbulvetr peut-être avait en vrai. Affaibli certains des sorts d'Odin, mais que tu avais quand avant même de partir. Besoin d'aide. Est-ce Sigrun qui t'a aidé à retrouver ton esprit combatif? Est-ce ainsi qu'Odin aimait évoquer la malédiction qui m'empêchait de me défendre? Ah, c'est peut-être bien là que je l'ai entendu.
Aimerais-tu en savoir davantage sur cette malédiction ? C'est fou qu'il parle autant de Sigrun alors que dans le... Sur ce qu'il m'en a coûté, si tu vas pas battre la reine des Valkyries dans le 1, tu sais pas trop qui c'est. Suis pas si sûr, même s'il en parle beaucoup, Mimir. Exactement. Eh bien, Sigrun a dû t'aider à retrouver tes ailes de Valkyrie. Était-elle cachée là où je le pensais ? Non. Non. Mais oui, elle m'a aidée. Sans jamais cesser de répéter que je devais oublier ma colère. Mais elle m'a aidée. Par contre, pour l'instant, je vois pas d'équivalent des Valkyries. Il doit y avoir. Hein. Il doit y avoir un truc équivalent aux Valkyries. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Oh. L'arbre au corbeau. Regardez, tous les corbeaux qu'on tue, en fait, on les libère. On les libère en fait. Ah mais non, mais il m'en faut 17. Damn. Je me suis trompé. Je suis venu trop tôt là. Je pensais qu'il en fallait Ok, j'ai fait l'arbre. Je pensais que c'était 16. Ouais. Mais si, regarde. Ils sont tous contents là. Ils vivent heureux. Regarde, ils volent. Oh, ils sont deux à voler. Oula. Je suis en train de me niquer le cerveau. Ok. Vas-y, je vais juste rentrer à la maison parce que peut-être que ça va switcher sur Atreus. Même si j'ai pas fait longtemps avec Kratos là. Marque avec Atreus, c'était pas long non plus. Je sais pas. Il est 23h. Il y a le travail demain. Parle-moi du pouvoir d'Emdal. Emdal. Il peut lire l'avenir. Tout à fait. C'est plutôt qu'il peut lire les gens. Voir leurs intentions. Mon intention sera de le tuer. Le savoir ne lui sera d'aucune aide. Je veux juste le tuer. Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer, mon frère. Quelles que soient tes attaques, il les aura vu venir. Ok. Si tu dois l'affronter, il nous faudra autre chose. Un atout. D'accord ? D'accord. Nous demanderons au nain. Ah ! Demandons au nain. J'aurais demanderons au nain. Parlez au nain ? Parlons au nain, hein. De toute façon, je parle toujours au nain, donc... Il est toujours là, l'écureuil ? Hey, dude ! Excuse-moi, mon brave, puis-je te demander un instant ? Oh non. Qu'est-ce que... annexe ? J'ai appris que Nithog avait été tué. Ah ? Et que, par conséquent, oui, sa progéniture s'était dispersée dans les 9 royaumes. Et alors ? Memouche. Malheureusement, sans figure parentale pour les... ces petites terreurs vont inévitablement se faire corrompre. Avec le temps, cette corruption pourrait tout simplement les conduire à dévorer les 9 royaumes tout en... Ah, pas cool. Afin d'éviter ce sort tragique, j'aimerais que tu m'apportes les Lindworm. Je me crois en mesure d'assumer le rôle de figure paternelle et de pourvoir à leur... Bon, ça va être cross le monde, je vais jamais faire ça. Tu trouveras ce chenapan qui grignote des brèches à travers les royaumes. Utilise ce dispositif pour les capturer et me les rapporter. Tes efforts seront récompensés. On en fera peut-être un pour voir. Dire que tu les élèverais toi-même. Exact. Et quoi ? J'ai une grande expérience en matière de personnalité difficile. Comparé à ma lutte avec récupérer mes émotions au sens le plus strict du terme, je pense que l'élevage d'une poignée de Lindworm sera un jeu d'enfant. Bien, autre chose, mes amis ? Ok, chercher des brèches de royaume afin de trouver les petits de Nyolgong, puis aller à Ratatak. C'est pas du tout Ratatak. Mais du coup, ils sont où ? On sait pas. Là ? Non. Ah. Ah non, ça c'est les yeux d'Odin. Miss Pelheim, on y est juste allé vite fait. Midgard, forcément, on a fait beaucoup. On a les sources d'inspi. Mais on s'en fout. J'ai fait tellement de choses là-dedans. Svartalfheim, on avait bien navigué aussi. Hein. Bon, c'est que quand on le verra. Pourquoi c'est rouge, ça ? Brèche d'Yggdrasil. Il y a plein de brèches d'Yggdrasil, là, c'est bizarre. Mithunheim, on n'a rien fait, quasiment. Maison de Sindri. Ok, bon, soit. Je peux te parler encore ? À propos de Nithog, il faut que tu saches que Nithog. Nous n'avions pas le choix. Ah oui, on était obligé. Responsable. Oh, je me doute bien que le on a été obligé de tuer tout, le gros serpent. Il voulait nous bouffer. Cette tragédie. Hélas, on ne peut pas lui demander de corriger. On fait que tuer les monstres. Hein. Tous les dieux n'ont pas ton appétence à rattraper et les animaux. Leurs erreurs du passé. J'espère que tu parviendras à trouver ces Lindworm. Bonne chance. Je ne vous retiens pas plus longtemps.
Ok. On fait que tuer les créatures. Bon. Vous êtes rentrés. Ils sont rentrés. Calme-toi. Salut. Bonjour. J'ai du nouveau. Oh, Sindri, il est abîmé encore. Les Nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus? Quel est le plan? Les Nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus. Le plan, c'est qu'Emdal meurt le premier. Oh, waouh, d'accord. Emdal, voyons voir. Ne perds jamais. Vois tout ce qui arrive. N'est pas un rigolo. Ça sera pas facile. Quels que soient ses avantages, je le surpasserai à l'aide des miens. Ah. C'est ça. Moi, j'ai juste des gros biceps. Devoir surmener ses sens, hein. Et j'ai la race spartiate. C'est justement une idée qui devrait t'y aider. Et j'ai Freya avec moi. Sindri, va chercher Dropnir. Dropnir? Il va se passer quoi, là? Nos réserves. Bon, on a ce qu'il faut, et plus encore. Et puis Dropnir n'est pas une arme. Pourquoi un... Oh, tu veux l'associer à... T'as je vais gagner un truc. Ensuite, quand il... Ça fera... Ah, c'est drôlement brillant. Oh, je veux savoir. Très bien. Donnez-moi mon cadeau de Noël. Pas d'autre choix que... Me donner mon cadeau de Noël. Va chercher Dropnir. Va chercher Dropnir. Mais faut y aller, bouge. Vas-y. Bouge. Dropnir. J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient. Et Oda me reprochait sa disparition. Ils ont volé Dropnir. C'est quoi Dropnir? On n'a rien volé du tout. Je sais pas ce que on c'est, moi. Un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu. Comment va-t-il m'aider à tuer Emdal? Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une surprise. C'est notre domaine. Mais rien que pour garder Dropnir, il faut... Oui, tu disais? Donc maintenant, tu veux tuer Emdal? Ciao! La violence engendre la violence, Kratos. Je pensais vraiment que tu l'avais compris. Je me moque de ce que tu pensais. Qu'est-ce qu'il va faire, Sindri, là? C'est en danger. Je ne laisserai personne faire de mal. Il se passe un truc. Damn! Va faire peur comme ça. Revenir. Puis là. Je vais perdre le son bientôt. De mon casque. C'est quoi tous ces anneaux là? Tu vas me manquer, mon petit. Mais c'est le précieux ou quoi? Non! Putain, c'est le pouvoir comme dans la chambre de Bellatrix. Je l'ai. À Gringotts. Je crois. Ça se duplique. Tu disais ne pas croire au destin. Oh, mais lui, c'est Gollum en fait. Pour ton fils, mais nous... Assez. Emdal est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin, et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Si nous avons une chance de l'éliminer, nous... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il? Oh non, direct... Je vais aller à Svartalfa et me récupérer le reste du matériel. Ah, merde. Sans oublier une visite à... La dame. C'est pas Noël de suite. Oh. Ouf. Quel soulagement. Maléfice de Gémino, exactement. Oh. Oh, ils ont fait des refs là. Hein. Attendez, Kratos. Mais là, ils ont fait des refs. Hein. C'est un anneau, il est en mode j'ai pas envie de le donner, c'est le Seigneur des Anneaux. Et il a le truc de la coupe de Serre d'Aigle. C'est quand tu veux. Non, c'est pas Serre d'Aigle aussi. C'est la coupe de je sais plus quoi. Boussouf. Parce que c'est le diadème de Sardeg. La dame. Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. La dame. J'aimerais que tu viennes avec lui. Fallait que je parle ou non? Je réalise tout juste quelle petite routine j'ai fini par adopter à force de m'occuper de Dropnir. Ah, fondre des anneaux pour forger de l'or me manquera. Enfin, j'imagine qu'il nous en reste assez pour tenir jusqu'au Ragnarok. C'est de mauvais goût.
Ok, c'est... d'accord. Je suis prête, c'est quand tu veux. Ça marche, Freya. Est-ce que t'as un mot à me dire, tire ? On prépare à manger. Par contre, tire. Je t'ai déjà dit que t'allais avoir giga mal au dos comme ça. Hein. Le diadème de Rowena, serre d'aigle. Mais du coup, l'autre, c'est la coupe. Comment ils appellent ça ? La coupe, le... Mais non, je... Oui, si, c'est la coupe. Bah, le diadème qu'ils vont chercher. Le diadème, il est dans la chambre sur demande, la salle sur demande. C'est la coupe de Poussouf ? Je sais plus comment elle s'appelle. Le truc, là, Harry, il le prend du bout de l'épée, là. La coupe de Poussouf. Je sais pas si c'est Poussouf. À plus tard. À plus tard. Oh, quand Hogwarts Legacy va sortir. Fin février, on me rappelle. Fin février ? Début février. Début février. Mais on n'y jouera pas Day One, mais début février. Ah, il est temps d'aller voir la dame. Bon, je prends le relais. Oh que non ! Ah. Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. C'est qui la dame ? J'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non. Tu l'as entendu. Pour rappel, il manque un quart de l'esprit de Brock. Qu'est-ce que... Oh non. T'es cassé ? Ah, foutu nabo. Vous croyez que ça va nous retenir ? Vous allez voir si ça me retient. Voilà, montre-leur. Ou de Helga Poussouf. Let's go, c'est ça. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste Cindy qui cherche à accaparer toute la voie. On va s'arrêter. L'accès ? Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Attendez, on va juste arriver à Nalfheim. Trafiquer la machinerie depuis Nissavellir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions. Ah non, mais on n'a rien fait, nous. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Bah voilà. Le vieux Brock a de la ressource. Bah voilà. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même on pas se prend pas la tête, du coup. Parce que c'est des abrutis. Ok. Donc on joue pas, Atreus ? Où sommes-nous, Brock ? C'est là que vous descendez ! Une galerie de service abandonnée, accès direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas ! Allez ! Brock ! Envolé ! Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Oh, c'est... Mais avec tant d'images. Ok, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. On est où, là ? On est à Svartalfheim dans les mines. Ok. Ok, ok. Des cadeaux. Je vais pas avancer plus loin. Je suis en train de faire n'importe quoi. Trouver un chemin vers la surface. Ok, ok, on s'arrête. Sinon je vais continuer de jouer. Hop. Petite sauvegarde. On est à combien de temps de jeu ? On est à... 23h48 de jeu, bientôt 24. Ça commence à faire, hein. Mais je m'égare sur le jeu, c'est terrible. Aujourd'hui, j'ai dit, on fait que de la quête annexe. J'ai fait, quoi, une heure de quête annexe, je pense. On fait que de la quête principale. Même mon cerveau, il veut pas dire quête principale, quoi. C'est terrible. Oula, oula. C'est fort. Mesdames et messieurs, c'est la fin du live. C'était trop bien. J'avais pas live depuis lundi. Prochain live mercredi, ça sera le dernier live je pense avant un moment parce qu'après il y a les fêtes, il y a le retour dans le nord. Ouais. Donc peut-être, est-ce que on verra mercredi si c'est le dernier live de l'année ou pas ? Peut-être pas quand même. Savoir la famille, ouais je pars jeudi. Et je reviens mardi d'après du coup. Mais donc du coup on se voit mercredi soir. Ça c'est sûr. Je vais essayer de live pas trop tard. Comme un peu aujourd'hui, vers 20h, 20h30. Pour pouvoir profiter du peut-être dernier live. Et on continuera God of War. On a toute l'aventure à finir. On rappelle le 24 janvier, on a Forspoken qui sort. Et donc le 24 janvier, il faut qu'on ait fini God of War. Mais normalement, on l'aura fini d'ici là. D'ailleurs, on sera peut-être même sur un autre jeu entre temps, quoi. Est-ce qu'on ferait pas des petites runs Hollow Knight ? Je sais pas, on verra. Je traîne en off, hein, de temps en temps, je fais des petites runs. Hein. Je vous le tease, mais ça fait plaisir de jouer Hollow Knight.
24 février, c'est Harry Potter. Non. Non. Je crois pas. Non, là, on a 24 janvier, on a Forspoken. Et je crois que Harry Potter, c'est début février. C'est début février. Mais par contre, le 24 février, vous savez c'est quoi? C'est la date de sortie de Hollow Knight. 24 février 2017. Et peut-être qu'ils vont sortir Silksong le 24 février 2023, du coup. Parce que Hogwarts Legacy, c'est début février. C'est genre le 9, le 10, le 10, c'est le 10. Et après, on aura Star Wars Jedi Survivor. La suite de Fallen Order qui était incroyable. Et ça sera le 15 mars. C'est catastrophique. Ce début d'année va être incroyable en termes de gaming. Je pourrais pas faire tous les jeux. Je pourrais pas faire tous les jeux en rush et tout. Enfin, ça va être compliqué parce que Silksong, on va tout faire. Je vais tout faire dans Silksong, c'est sûr. Est-ce que il sort là ou pas? On sait pas. C'est surtout ça, c'est que je sais pas quand est-ce que sort Silksong. Forspoken, on va juste faire l'histoire principale et potentiellement quelques quêtes annexes et tout. Mais le jeu a l'air cool. Hogwarts Legacy, on va peut-être bien le poncer. Mais donc du coup, ça va dépendre de si Silksong sort vraiment le 24 février ou sort plus tard. S'il sort plus tard, bah on fera Hogwarts Legacy. Mais donc du coup, en fait, ça va être chiant. Ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant parce que le 24 janvier sort Forspoken, on va pouvoir y jouer direct. Mais Forspoken, je l'aurais jamais fini pour le 10 février, qui est la sortie d'Hogwarts Legacy. Donc Hogwarts Legacy, je sais pas quand est-ce que je vais y jouer. Parce que si je le commence genre le 20 février, c'est nul. Parce que s'il y a Silksong qui sort le 24, je vais arrêter au Hogwarts Legacy pour jouer à Silksong. C'est compliqué la vie hein, de streamer. Enfin bref. Mais de toute façon, au Hogwarts Legacy, je vais pas l'acheter. J'ai deux collègues qui vont l'acheter déjà et je vais le récupérer après qu'ils aient joué au jeu. Donc comme moi, j'ai acheté Elden Ring par exemple ou Horizon Forbidden West. Eux, ils achètent Hogwarts Legacy et je le piquerai à quelqu'un. Donc on fera pas Hogwarts Legacy Day One, c'est sûr. Mais du coup, on le fera après un peu tout le monde. Mais ça sera marrant. Ça sera marrant. Et comme ça, les gens qui veulent y jouer auront l'occasion d'y jouer. Ne t'empêche, j'ai fini Hogwarts Legacy avant de commencer Silksong. Non, mais j'aurai pas le jeu. Ah, on est en full troc, hein. Ah, les jeux PS5, on est en full troc. Et j'ai Ratchet & Clank à faire aussi, d'ailleurs, sur PS5. Mais bon, c'est pas le jeu qui m'attire le plus de suite. Mais Forspoken, on va passer du temps sur Forspoken, je pense, en vrai. Le jeu, on a fait la démo, le jeu a l'air grave cool. Donc c'est pour ça, 24. Le 24, c'est Forspoken, il va bien nous falloir un mois pour le faire. Si ça tombe au 24 février. En fait, il faut que Silksong sorte le 24 février. Mais ils ont dit, sorti avant juin 2023. C'est tout ce qu'on sait. On sait pas ce qu'il y a. Enfin, en fait, ils ont pas dit ça. L'an dernier, en juin 2022, ils ont dit... Ouais, voilà. En juin 2022, le 24 juin 2022, ils ont dit Silksong sort dans l'année, dans les 12 mois qui arrivent. Bon, on sait pas quand. Mais ça serait beau le 24 février vu que ça serait 6 ans après Hollow Knight. C'est un beau chiffre le 6. Je dis pas du tout ça parce que je suis né le 6 octobre, mais c'est un beau chiffre. Enfin voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve mercredi pour du God of War. Il en rêve d'un fait de fou. Ça serait trop bien. Franchement, ça matcherait tout. Parce que du coup, on ferait Silksong à fond. Après, on ferait Star Wars Jedi Survivor. Et comme ça, les collègues, ils auront le temps de finir Hogwarts Legacy. Même s'ils geekent plus que moi, en vrai. Ils jouent plus que moi. Ils ont femme et enfant. Ils jouent plus que moi. Je sais pas ce qu'ils font. Mais leur femme va se coucher à 20h. Et ils geekent de 20h à minuit aussi, tous les jours. Alors que moi, je fais du volet, je fais des trucs, je bouge, je sors. Catastrophique. Si vous m'écoutez, vous êtes plus geek que moi. Avant, j'étais plus geek que vous, mais j'ai plus le temps. Bref. Bon, vrai, speedrun online, quand même, c'est bien geek, ça. Ouais. C'est les fleurs, ça. Je vous laisse. Passez une excellente soirée, mesdames et messieurs. Profitez bien si vous êtes en vacances. Je sais pas si vous êtes en vacances, mais profitez bien. Courage pour ceux qui travaillent demain. On est ensemble. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, mercredi, pas demain, parce que demain, du coup, je sors à nouveau. Mais on se retrouve... Quoi qu'il arrive, mercredi, pas mardi, il y aura volé. Donc on se retrouve mercredi pour le dernier live avant mon retour dans le Nord. Et puis après, on verra, je vous dirai si peut-être le mercredi d'après ou pas. Je sais pas, il y aura peut-être un live. En vrai, j'aimerais bien faire un live avant la fin de l'année quand même.
Et sinon, samedi après-midi, avant que les gens viennent chez moi. Peut-être, parce que samedi soir, c'est le nouvel an. On verra. Ah, mais dimanche. Ah, mais non, mais dimanche, c'est le premier. Attends, le nouvel an, c'est le... C'est le 1, ouais, c'est le 1. Bref, je vous laisse. Passez une très bonne soirée. Des bisous tout le monde. Profitez bien. À la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Et bien sûr, bah tous ceux qui sont là sur ce live, bah je peux le dire, c'est juste les meilleurs quoi. Voilà. Let's go, des bisous.